Dans le ministère de la parole. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Ce matin, je crois que vous avez noté, tout noté. Vous avez tout noté. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Nous allons foncer en même temps, en même temps. Ici, nous sommes en train, nous voulons aborder notre dimension, une autre dimension. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les quatre bras, qui a entendu ça une fois? Les quatre bras de l'évangile. Cette expression. Les quatre bras de l'évangile. Bras, Dieu parle de bras. Bras de l'évangile. Les quatre bras de l'évangile. Donnez-lui le micro. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as gardé sur ça une fois? Qui a prêché ça? Où tu as vu ça? C'est sur Internet? C'est où? C'est dans une église? Ou comment? Shalom, shalom. Bon, le thème, les quatre bras de l'évangile, je l'ai entendu au moment du séminaire de revêt du groupe Jésus revient ici. Donc l'orateur c'était le docteur Silas. Et je crois la référence, bon je me souviens plus trop, mais c'était dans le livre de Genèse où on parlait des quatre fleuves qui avaient pris source dans le jardin d'Éden. Donc et c'était aussi, le jour là vous a dit, on peut aussi le comparer aux quatre évangiles. Non, oui, je comprends. Donc c'est tout ce que j'ai pu entendre. Aux quatre livres de l'évangile. Cette fois-ci, nous allons montrer, vraiment, nous allons rêver, on parle de l'évangile. C'est quoi, les bras de l'évangile? C'est comme hier. Hier, on a dit qu'il y a une seule colonne. L'homme. Mais qui se manifeste avec trois types de colonnes, mais qui forment un. C'est comme trois qui forment un. Et on voit en un, trois. Prédication, enseignement, exhortation. Chemin, vérité, vie. Alléluia. Amen. Pierre, Jacques, Jean. Les prophètes, la loi et les sceaux. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Le matin, on a fait un petit résumé ce matin. On a ajouté ça. Vous n'étiez pas là le matin. Mais on a expliqué ça ce matin. Concernant la loi, les prophètes, la loi et les sceaux. Les prophètes sont la première colonne, c'est ça l'inspiration, la prédication. Le deuxième, c'est la loi, l'enseignement. Le troisième, c'est les psaumes. Ça, c'est l'exhortation et l'adoration. En tout cas, c'est dedans. Quand tu lis les psaumes, tu es exhorté, tu es fortifié. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Ici encore, il y a encore un seul bras. Il y a encore un seul bras, mais divisé en. De la même manière qu'hier, il y avait une seule colonne, mais divisée en trois. Gloire à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Allons-y dans Esaïe. Esaïe 52, verset 10. 52. Non, commencez pas d'abord. Esaïe 53, verset 1. Esaïe 53, verset 1. Esaïe chapitre 53, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qu'est-ce qui a été annoncé? Non, ça c'était des messages prophétiques dans le temps. Mais pour nous aujourd'hui, c'est l'évangile. Bon, c'est l'évangile que nous annonçons. Alors, nous disons ainsi que le bras de l'Éternel, c'est l'évangile. L'évangile est le bras de l'Éternel. C'est pas l'évangile que Dieu révèle son bras. Parce que nous disons souvent, nous les évangélistes qui évangélisons, nous disons souvent que le Seigneur te tend la main. Accepte Jésus. Il te tend la main maintenant.
C'est le bras en question. C'est pourquoi ce n'est pas cette main physique. En réalité, la main de Dieu pour le monde est l'évangile. C'est une manière pour Dieu d'envoyer sa main pour pouvoir gagner ceux qui sont perdus. Donc cette main est appelée l'évangile. C'est ça le bras de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons compris que ce que nous avons en tant que ministre de la parole à prêcher, enseigner, exhorter, c'est le mystère caché de tout temps. Qui en réalité est l'évangile et l'Éternel, qui est un mystère caché depuis le ciel, que Dieu a envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc c'est cet évangile éternel qui est en réalité le bras de l'Éternel. Alors nous remplaçons bras de l'Éternel par l'évangile. Et là vous comprendrez de quoi nous parlons dans ce contexte. Et j'ai dit aujourd'hui ce matin que le bras de l'Éternel, que plutôt l'évangile concerne les païens et aussi les chrétiens. Je dis ça aujourd'hui, que l'évangile c'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du royaume était cachée. Elle sera annoncée, doit être annoncée aux païens, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus et aussi ceux qui sont déjà en Jésus. Mais la manière d'exposer est différente. Parce que ceux qui ne sont pas encore en Christ, la manière de les exposer, c'est une bonne nouvelle pour les amener à croire en Jésus. Mais nous qui avons déjà cru en Jésus, qui sommes sauvés en croyant l'évangile, la bonne nouvelle que nous recevons, qui est l'évangile, est de nous maintenir dans le salut. Gloire à Jésus. Voilà. Hein? On remplace. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu l'évangile de l'Éternel? Ah, voilà. Alors, nous renforçons encore ce qui nous était annoncé. Par l'évangile. Et qui a reconnu au même ce qui était annoncé? Qui a cru à l'évangile qui nous était annoncé? Qui a reconnu ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu la parole qui nous a été annoncée? Reprenez. Qui a c'est cru? C'est pour ça qu'on fait les choses. Quand vous méditez la parole, c'est, je vous montre déjà comment. C'est pour ça qu'on fait les choses. On remplace les choses. Et on voit une suite logique. On voit une logique dans ce qui est vu. Qui a cru à l'évangile qui nous était annoncé? Qui a reconnu la parole qui nous était annoncée? Qui a cru à l'évangile que nous avons annoncé? Nous avions annoncé. Qui était annoncé? Et qui a reconnu la parole qui nous était annoncée? Non. De l'Éternel. La parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Que la gloire soit à Jésus. Donc, mettez bras en rouge. Le bras de l'Éternel est égal à l'évangile. Ou bien, l'évangile est égal à le bras de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avions parlé du message de l'évangile de Jésus-Christ comme étant la révélation de la pensée de Dieu cachée derrière l'Écriture. Nous avons dit que chaque écriture, littéralement, est comme un code, est comme un mystère, est comme une parabole qui doit être dévoilée, qui doit être interprétée. Donc, nous devons savoir, comme nous l'avons dit aujourd'hui, que parler par les langages de la parole ou exercer le ministère de la parole, ce n'est pas répéter la lettre déjà écrite, simplement. Ce n'est pas la répétition des paroles littérales de la Bible. Non. C'est l'interprétation. Et quand on parle d'interprétation, on parle d'études, d'approfondissement, de la manière de décortiquer, d'expliciter, expliquer, détailler, disséquer, pour rendre la parole délicieuse pour la vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Mettez le verset là maintenant. Ésaïe 52, verset 10. Ésaïe chapitre 52, verset 10. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations
Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Ça, c'est une prophétie sur la venue de Jésus. En réalité, la bonne nouvelle de l'évangile que Jésus est venu annoncer sur terre est la manifestation ou la révélation du bras de sa sainteté. Du bras de sa sainteté. Et le bras de la sainteté de Dieu est appelé l'évangile. Donc quand nous prêchons, enseignons, exhortons, nous sommes en train de découvrir le bras de la sainteté de Dieu à toutes les extrémités de la terre. C'est clair? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc mettez. Regarde aussi. Bras de la sainteté de Dieu. Mais bras de sa sainteté, Seigneur. Bras de sa sainteté. Donc comme la lettre tue et l'esprit vivifie, c'est grâce à l'esprit de Dieu qui nous permet d'interpréter les écritures que nous obtenons l'évangile ou la pensée de Dieu cachée, révélée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, s'il y a un seul bras de l'évangile qui est en réalité le bras de l'Éternel, le bras de sa sainteté, quelles sont les manières d'exposition de l'évangile? D'abord, nous allons voir dans la Bible que nous avons. Nous savons que la Bible est c'est arrêté une lettre écrite et que la parole de Dieu est esprit et est cachée même dans la Bible. Vous savez très bien que cette Bible que nous tenons, c'est-à-dire c'est un standard qui prend en compte des chapitres des livres de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Oui. Mais on ne peut pas dire directement que cette lettre écrite d'une manière scripturaire est déjà la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est cachée dedans. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous ne pouvons pas prendre directement pour pratiquer cela aujourd'hui dans la Sainte Doctrine, dans la Nouvelle Alliance. Vous comprenez cela? Oui. Mais dans la parole, il n'y a rien de la parole que nous ne pouvons pas pratiquer. Il n'y a rien de la parole que nous devons rejeter. Parce que la parole est cachée dans la Bible. C'est pourquoi nous devons méditer. Si toute la Bible était directement la parole, la sainte parole, la sainte doctrine de Jésus, pourquoi nous devons encore méditer? Parce que nous devons prendre un verset, on lit un verset directement, on dit que c'est ça la sainte doctrine. Or, les versets ont besoin d'interprétation. Parce qu'il y a des contextes, il y a des histoires, il y a des réalités dans la même Bible qui ne peuvent pas être comprises dans la chair, mais que par l'esprit. C'est pourquoi nous disons que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ce qui veut dire que l'esprit, c'est la parole de vie qui est dans la Bible. C'est clair? C'est clair. Voilà. Donc la Bible est composée des textes scripturaires de l'évangile, des textes scripturaires de la parole. Mais on ne peut pas prendre en même temps un seul verset pour en faire une doctrine. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est bien. Gloire à Jésus. Alléluia. On voulait lire quelque chose. Esaïe 52, verset 10. Ok. On a lu ça. Ok, d'accord. Avant de continuer, regardez ça. Il y a un mystère qu'on n'avait pas révélé aujourd'hui sur la langue. Oui. Sur la langue de Dieu qui est la parole. Vous comprenez? Oui. Donc nous allons vite. Je veux vite. Parce que c'est important pour qu'on puisse comprendre ce qui arrive. Voilà. Allons-y dans Cantique des Cantiques. Ou bien d'abord allons-y dans Juges. Dans Juges. Juges. Juges 14, verset 14. Juges 14, verset 14. Juges chapitre 14, verset 14. J'ai eu la parole du Seigneur. Vous allez comprendre ici que la parole de Dieu n'est pas amère. Elle est amère
pour la chair. Mais pour la vie spirituelle, là, elle n'est jamais amère. Elle guérit, elle exhorte, elle enseigne, elle donne l'inspiration et purifie l'esprit et donne la nourriture à l'esprit. C'est pour dire l'épée à tout tranchant. La première épée n'est pas amère. Mais la seconde épée doit faire quoi? Doit briser la chair. C'est là qu'on peut dire que c'est amer. Sinon, d'abord, ce n'est pas amer. Dieu n'est pas coléreux. Dieu n'est pas amer. Dieu n'est pas. C'est-à-dire, Dieu, je peux dire, Dieu ne manifeste. Dieu n'est pas un Dieu de colère. Mais la colère est à côté de lui. La colère n'est pas en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est Dieu tout. Bon. Mais la colère est là. Et lorsqu'il veut manifester la colère, il prend la colère et manifeste. S'il n'est pas un Dieu de colère, c'est ça l'épée à double tranchant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Lisez-moi. Juge 14, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti celui qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne peut expliquer l'ennemi. C'est ça, c'est l'histoire de Samson. Vous connaissez très bien cette histoire. C'est le lion. Hein. Oui, c'est le lion. En réalité, l'explication c'est que car le lion était le miel. Et or, le lion est fort et le miel est doux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. De la même manière, notre Seigneur, d'abord à deux faces, il est le lion, il est en même temps là. No. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il est le Père, il est le Fils. Voilà. Il est le Dieu, bon. Il n'est pas le Dieu de colère. Mais pour manifester, pour juger, pour exercer ses jugements, il prend la colère et le manifeste. Alors, quand nous entrons dans la révélation, nous devons décortiquer cette énigme. De quoi prévient cette énigme pour nous? Qu'est-ce qui est tout? Dans ce qui est fort, qu'est-ce qui est fort? Allons-y dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, 4, verset 11. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du nipan. Alléluia. Amen. Dans la révélation, qui est la fiancée? L'Église. L'Église, qui est la fiancée? Oui. Alléluia. L'Église est la fiancée. Oui. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église? Tout ça, c'est pour nous délivrer du Seigneur. Mm. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église? Remplaçons fiancée par Église. Tes lèvres distillent le miel, mon Église. Waouh! Acclame Jésus, acclamez Jésus. Est-ce que vos lèvres, est-ce que nos lèvres distillent vraiment le miel? Est-ce que nos lèvres distillent vraiment le miel? C'est ce que le Seigneur dit. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, nos lèvres doivent distiller le miel. Parce que du fort est sorti le miel. Si du lion est sorti le miel là, même si nous sommes forts n'importe comment là, nous devons être comme un aïeau, ou bien nous devons aussi sortir de nous le miel. Tu peux être fort spirituellement. Quand Satan, la guerre spirituelle, tu dois être fort. Hein. Pour détruire le roi des ténèbres, il faut que tu sois fort comme un lion. Ça, c'est la guerre contre la guerre spirituelle, pour les esprits méchants. Mais pour aller gagner une âme là, pour prêcher Christ à l'église, tu dois être vigoureux parce que tu es fort. Celui qui est rigoureux est fort comme un lion, mais tu dois être doux comme le miel. Quand tu évangélises, église, tes lèvres doivent distiller le miel. Jésus est content. C'est ici, c'est. Cantique des Cantiques, c'est un mystère. Quand vous prenez Cantique des Cantiques là, dans la révélation, il y a beaucoup. Dans la connaissance, c'est encore voir que c'est le mariage, et fiancé, un ami. Oui, ça, c'est dans la connaissance, et c'est bon. On prend ça aussi pour parler du mariage, de beaucoup de choses. De l'amour, de beaucoup de choses. Mais quand on entre dans la révélation, c'est toute autre chose. C'est Christ et l'Église. La révélation,
La relation plutôt entre Christ et l'Église. Donc Christ ici est en train de parler à l'Église, qui est la fiancée, qui se prépare au mariage. Il dit, tes lèvres distillent le miel, parce que notre lèvre ne distille pas le mal, ne donne pas, ne répand pas. C'est ça, le miel a une bonne odeur. C'est là, c'est ce qu'on a lui hier. Aux uns, une odeur de vie, aux autres, une odeur de mort. Or, l'odeur de vie, c'est comme un parfum de bonne odeur. Le miel donne une bonne odeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui me dit que, même si je suis fort, il y a certains moments-là, je dois devenir doux. C'est ça la parole, la parole. Alors, c'est quoi le doux? Le doux. Le miel, c'est le doux. Pas connaissance, c'est le miel. Mais le doux, pas la c'est-à-dire pas... voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons dire que le doux, c'est quoi? Qu'est-ce qui est grand doux? Pardon? L'amour. Oui, l'amour. Mais l'amour basé sur quoi? La parole de Dieu. Voilà. Donc, là-bas, on a vu dans l'autre verset, du fort est sorti le doux. Ce qui veut dire que Dieu, parce que Dieu, le Père, est le plus fort. Et de lui est venu le Fils. Or, la Bible dit que Dieu n'a pas vu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu n'a pas vu vraiment son égalité avec Dieu. Parce que le Fils est Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, est sorti de Dieu pour s'humilier parmi les hommes. C'est là nous disons que du plus fort est sorti le doux. Du Père est venu le Fils. Donc le Fils est le doux. Et le bras de l'Éternel est la révélation du Fils qui est la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, écrivez ça. Acclame Jésus. Donc ça c'est la langue qui est la parole. Ta langue distille le miel. Donc ça montre la parole de Dieu que tu enseignes là, c'est le miel, c'est doux. C'est Jésus, tu prêches. Si ça ne distille pas le miel, tu ne prêches pas encore Jésus. Tu prêches toi-même. C'est pourquoi dit nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Mais c'est Christ que nous prêchons. C'est Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Pas la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire le partage de l'évangile aux extrémités de la terre. Vous n'avez, chaque fois que je parle, notez en même temps, au fur et à mesure, n'attendez pas que ce soit moi qui vous donne les détails, vous comprenez, ça ralentit l'enseignement. Quand je disais que du plus fort est sorti le doux, vous mettez en même temps du plus fort est sorti le doux, du Père, et je dis que le plus fort c'est le Père, le plus doux c'est le Fils. En même temps, vous mettez le doux c'est le Fils, en même temps le Père, vous mettez tout en même temps. Et quand on disait que le doux c'est la parole, l'amour, voilà, que le doux c'est l'amour qui est basé sur la parole, en même temps vous écrivez ça. Par exemple, c'est des choses qu'on va garder. Mais du plus fort, du fort, est sorti le doux notre. Jésus dit, ne reconnaissez-vous pas que je suis sorti du Père? Donc c'est Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est le doux, qui est sorti du plus fort. Or le Père là, il était en colère contre le péché, contre le désordre, il a mis des chérubins. Donc le Fils est venu, le doux est venu apaiser la colère du Père. Donc le doux, c'est pourquoi là, quand tu es fort, sois doux aussi. Nous devons être forts, hein, nous devons être forts, forts et zélés, remplis de feu. Mais nous devons être aussi doux à des moments donnés. Sinon, nous allons pas. Quand on est fort là, parfois il y a une colère sainte qui arrive. On dit, ah, pour l'humanité, dans le péché, c'est bien. C'est normal, parce que le Père aussi a vu. Le Père aussi avait cette colère sainte, parce que l'humanité est dans le péché. Mais le Père n'a pas utilisé cette colère contre l'humanité. Mais le Père a dit non. Du fort est sorti le doux. Alors de moi sortira le doux. Si je suis fort, écrivez maintenant. De moi sortira le doux. Donc le doux, c'est le Fils
qui est sorti du Père. Attends. Allez. Du fort est sorti le doux. Du Père est venu le Fils. Ou bien est sorti le Fils, ou bien en tout cas, je suis sorti du Père, voilà, je suis sorti ou je suis venu. C'est la même chose. Voilà. Voilà. Le fort, c'est le jugement de la colère de Dieu. Le fort, c'est le jugement de la colère de Dieu. Et tu mets un lion. Le fort, virgule. Le fort, c'est le jugement de la parole, de la colère de Dieu. En parenthèse, lit. Non. Et le. Voilà, l'agneau. Voilà, le fait et le doux plutôt. Voilà, le doux. Le doux. Le doux, c'est l'amour de Dieu par sa parole. Ce n'est pas à nous de manifester cette colère. Parce que ce n'est pas à nous de juger l'humanité. C'est comment dire, le seul porteur, c'est un porteur, c'est un tableau. Le jugement de la colère de Dieu. Nous devons juger le monde, oui. Mais ce n'est pas, ce n'est pas encore aujourd'hui. Si nous avons un jugement à faire, c'est le discernement. Pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas juger l'humanité que le Fils, lui, il est venu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le règne du Fils. Mais dans le spirituel, le règne du Saint-Esprit, dans l'œuvre du Fils, dans la dispensation du Fils. Donc nous n'avons pas jugé l'humanité. Maintenant, seul le Père jugera l'humanité. Lorsque Jésus sortira, lorsque nous ferons le millénium, nous aussi, nous allons être rassemblés avec le Père. C'est Jésus, c'est le même Dieu. Nous allons nous rassembler avec lui pour juger l'humanité. Mais aujourd'hui, le jugement que nous allons faire, c'est de discerner le bien et le mal. Et juger le péché. Mais pas les hommes. Ce n'est pas dit qu'on met colère de Dieu, que moi aussi je vais me mettre en colère contre tout le monde. Non. Vous me comprenez? Ici, c'est notre dispensation, c'est le tout qui opère. Donc nous sommes, c'est ça, c'est l'amour de Dieu par sa parole. Mais l'agneau. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, mais les lèvres, c'est les lèvres ou bien ta langue. Ta langue ou tes lèvres. Distille le miel. Tes lèvres, voilà. Mettez. Non, mettez les lèvres ou la bouche. On peut dire la bouche, c'est mieux. La bouche de l'église, alors on a dit que c'est la pensée. Donc c'est la parole, c'est la pensée qui vient avant la parole. Donc, la bouche de l'église doit distiller le miel. Cela veut dire que notre évangile doit être doux, rigoureux. Mais pour. Vous comprenez? Oui. Voilà. Nous devons être rigoureux. Et la rigueur n'est pas. Quand on dit tout là, c'est pas qu'on va être. On va pas être rigoureux. Vous comprenez? Oui. On est rigoureux, mais tout. Et la douceur doit dominer tout. Là, celui qui est doux, on voit en lui la rigueur aussi. Parce qu'en même temps que Dieu soit doux, soit l'agneau, il est en même temps libre. Non. D'ici le jour. Ce miel, c'est la parole, en parenthèse la parole. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
bras de l'évangile. Donc s'il y a un seul bras de l'évangile, qui est le bras de sa sainteté, il y a forcément quatre bras. Parce que nous avons appris aujourd'hui que l'évangile doit être enseigné par quatre langages. Donc ça fait quatre bras. C'est pourquoi nous allons voir que les livres qui ont révélé l'évangile de la Bible sont au nombre de quatre. Il y en a banal. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Acclame Jésus. Ça fait les quatre bras de l'évangile. Les quatre bras de l'évangile. Les quatre bras de l'évangile, c'est bon? Est égal aux quatre livres de l'évangile. Deux points, mais mettez deux points. Ne mettez pas égal. Mettez deux points. Ça me met égal, c'est tout. Deux points, quatre livres de l'évangile. Donc Dieu va tout faire pour que l'évangile soit en quatre livres. C'est étonnant. Vous voyez que rien n'est banal. Tout a un sens dans la parole. Autant qu'il y a quatre langages, il y a quatre livres de l'évangile. Nous savons que l'évangile, là, c'est la parole. Alors, voilà. Gloire à Jésus. Voilà. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mettez Matthieu, Marc, Luc, Jean. En parenthèse, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est bon, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ s'explique en quatre aspects. Écrivez. L'évangile du Seigneur Jésus s'explique en quatre aspects. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ ou l'évangile éternel s'explique en quatre aspects. L'évangile éternel ou l'évangile du Seigneur Jésus-Christ s'explique en quatre aspects. S'explique en quatre aspects. En quatre dimensions. D'abord, en quatre aspects. On a attendu d'abord. En quatre aspects ou quatre faces. En quatre faces. Ou en quatre faces. Nous irons étape par étape. Vous comprenez? En quatre aspects. En quatre aspects. Mettez maintenant. Voilà. En quatre aspects. Mettez quatre aspects. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Nous allons.
revient. Voilà, Ézéchiel 1, verset 4 à 5. Ézéchiel chapitre 1, le verset 4 à 5. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il a mis 4 aspects, 4 faces. Bas, 4 faces. Ok, c'est bon. Ok, mettez bas, tirez, 4, comme ça, 4 faces. Hein? Ézéchiel chapitre 1, le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. On va commencer par écrire un à un. Quand on peut prendre le prédé. Là, on ne parle pas de l'animal. Au centre encore apparaissaient quatre animaux. Mettez quatre animaux. Est égal. Deux points. Quatre animaux. C'est un seul animal qui se métamorphose. Dans la manifestation est en quatre animaux. Je vous explique. Il est le lion, mais il se métamorphose et devient le l'agneau. Après, il devient l'aigle. L'aigle et après, un homme. Or, l'homme aussi est aussi animal. Parce que la chair de l'homme qui couvre l'esprit est animal. Vous comprenez? Ça, je parle de l'homme naturel. Je ne parle pas encore de l'homme spirituel. Ça, c'est l'homme naturel qui est d'abord, qui a un corps animal. Donc, c'est quatre animaux, mais un seul animal. Alors, c'est le seul qui se change. C'est le seul qui se change. Je ne dis pas que Jésus est un animal, hein, mais c'est le langage que la Bible. C'est la même Bible, qui dit ça. Hein. Voilà. Hein, continue. Après quatre animaux, hein, quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces. Donc l'aspect des quatre animaux a une ressemblance humaine. Donc la ressemblance, c'est Jésus. Ça montre que c'est le fils de l'homme. Et il y a avec une ressemblance humaine. Prenez bien le tableau. Humaine. Quand on capte les quatre ont une seule ressemblance, ça c'est. On donne en même temps la nature de celui qu'on voit, mais ayant quatre faces. C'est le fils de l'homme. Mais parfois, le fils de l'homme devient lion. Le fils de l'homme devient agneau. Il devient aigle. Et il devient aussi homme. Parce que c'est homme, il est d'abord avant d'être les autres animaux. Donc ça fait quatre faces de Dieu. C'est le même, ça veut que l'évangile que nous prêchons soit, peut être révélé. Change de face, devient doctrine. Change de face, devient doctrine et connaissance. Après, devient prophétie. Mais c'est le même homme, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Avec une alliance humaine. Mais Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Tu mets Jésus-Christ ici. Et homme. C'est bon? Mais ce qui nous étonne, c'est lui, continue, je vois. Dans l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Donc chaque a aussi quatre faces. Donc ça fait quatre. Aujourd'hui je disais que dans la révélation on peut trouver plusieurs éléments. Ça, une révélation peut être interprétée par plusieurs manières aussi.
Donc, une seule révélation peut être interprétée à quatre manières. La doctrine peut être interprétée. On peut parler par doctrine selon quatre manières. On peut parler par prophétie par quatre manières. Et aussi parler par connaissance par quatre manières. Vous voyez comment la parole de Dieu est riche. Vous voyez comment. C'est ça, c'est pourquoi il y a une multiplicité de manières d'enseigner, de prêcher. C'est voilà. Ne jugez pas n'importe quel enseignement sans avoir étudié le langage. La personne peut utiliser le langage de la connaissance et prêcher. Et ça s'arrête là. Toi qui as la révélation, tu vas dire non, c'est faux enseignement, il devait dire ça là. Pas de la révélation, c'est ce que ça signifie. Non, quand tu vois dans la connaissance, tu dis ah, si c'est vrai, selon la connaissance, gloire à Jésus. Là, son niveau de connaissance se limite là. Ou soit, il a la révélation, la connaissance, la doctrine, mais Dieu lui dit non. Prêche pas connaissance sur ce thème. Ça ne veut pas dire qu'il manque de connaissance, de révélation. C'est vrai. Un enseignement peut être un enseignement par connaissance. Mais quelqu'un d'autre viendra prêcher ça par révélation. Et toi, tu penseras que tu es faible. Non, c'est une autre dimension. C'est vrai qu'il faut maîtriser tous les quatre langages pour savoir comment prêcher par révélation, comment prêcher par doctrine, prêcher par prophétie, prêcher par connaissance. Mais celui si tu prêches par révélation, là, tu peux prêcher par révélation par quatre manières. Tu peux prêcher par prophétie par quatre manières, mais c'est toujours de la prophétie. Tu peux prêcher par doctrine par quatre manières et tu peux prêcher par connaissance par quatre manières. De la même manière que chaque animal, il y a d'abord un nom, mais qui a quatre faces. L'homme, c'est Jésus, c'est l'évangile. Les quatre faces, c'est les quatre langages, les quatre bras. Mais un seul langage a quatre manières, peut avoir quatre manières d'interprétation, comme la même manière, un animal a aussi quatre faces. Chaque animal a quatre faces. Cela veut dire que chaque langage peut être interprété par quatre manières. Acclame Jésus-Christ, mes amis. C'est bon? Maintenant, question? Oui. Peut-être cela. Je voulais demander, on avait vu les trois colonnes et Pierre, Jacques, Jean rattachés à la prédication, l'enseignement et l'exhortation. Est-ce que ici aussi Matthieu, Marc, Luc et Jean est rattaché aux quatre faces? Ah oui, c'est rattaché. C'est rattaché. Mais je sais pas. Je n'ai pas mis ça dans. Je n'ai pas préparé ça pour aujourd'hui. Mais c'est rattaché. Demain, si tout va bien, je vais vous dire ça. Chacun face, je vais vous dire ça. C'est dans un. J'ai préparé ça, mais j'ai organisé tout ça ailleurs, dans un autre document. Voilà. Donc demain, je vais vous parler de ça. Gloire à Jésus. Parce que si j'entre maintenant là, on ne va pas sortir. Gloire à Jésus. Voilà. Mais qu'est-ce que. C'est fini, les faces, tout ça. Bon. Leur pied était droit. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Non, c'est bon. Maintenant, avant ça, il y a un verset qui parle du Jeb. Lisez. Verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Cette gemme dans la révélation, c'est quoi? On dit gemme de. C'est quoi là, cette gemme? Aujourd'hui, j'ai dit ça un peu. J'ai dit que le soir, on va expliquer. Cette gemme dit la loi, la lettre. Pourquoi? Lisez le livre de Ésaïe 42. Vous allez mieux comprendre. On dit gemme de feu, non? Allez-y voir Ésaïe. On compare la gemme dans Ésaïe. Comme une mèche. La gemme qui est la lettre, la loi. Parce que l'ancienne alliance est basée sur la lettre qui tue. C'est la loi. Donc, la gemme là, c'est la loi. Mais allons-y dans Ésaïe 42, vous allez mieux comprendre de quoi nous parlons. Ésaïe 42, verset 3. Commencez par le premier d'abord. Ésaïe 42, à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus.
Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Ah, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Donc la gerbe de feu en réalité est la mèche qui brûle encore. Pendant que Jésus incitait cette accomplissement, cette prophétie accomplie, l'ancienne alliance, c'est une mèche dont la gerbe est la loi. Donc la gerbe ou l'ancienne alliance, c'est la lettre, la loi qui est cachée. Donc pendant que Jésus était cité, la gerbe de feu, il n'a pas brûlé la gerbe de feu. Est-ce que vous comprenez? La gerbe, c'est quoi? La loi. La loi. L'ancienne alliance, c'est la mèche. Or, l'ancienne alliance et la loi, les deux, or, c'est sur la lettre qu'ils sont reposés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons parfois que la gerbe ou la mèche, c'est la lettre qui tue. Donc la mèche, quand on dit que la mèche brûlait encore, c'est parce que l'ancienne alliance était toujours d'actualité pendant que Jésus était sur terre. Mais Jésus n'est pas d'abord venu pour abolir la loi. Donc c'est pourquoi l'Écriture dit qu'il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Parce que la loi était toujours d'actualité. La gerbe était toujours en feu. S'il vous plaît. Bon, la gerbe, c'est la loi. Maintenant, la mèche, c'est la lettre. L'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Je vais vous expliquer. La gerbe, c'est la loi. La mèche, c'est l'ancienne alliance. Mais la loi et l'ancienne alliance sont basées sur la lettre. C'est cette lettre qui brûle encore. Donc, ça montre que l'ancienne alliance brûle encore. Et la loi aussi brûle encore. De la même manière que la gerbe est une gerbe de feu, c'est de la même manière que la mèche aussi brûle encore. Est-ce que vous comprenez? Qui a compris? Je reprends Jésus. Ce que je comprends pour expliquer à ma manière, c'est que la gerbe, c'est la loi. Maintenant, la mèche, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, comme dans l'ancienne alliance, c'est la loi qui agissait, la mèche qui brûle représente en fait la lettre ou bien l'agissement de la continuité de la loi dans l'ancienne alliance. Ou bien l'activité de la loi dans l'ancienne alliance, la mèche qui brûle. Ok, je reprends, Parce que nous sommes ensemble à l'école. Oui. La gerbe, c'est la loi. La gerbe du feu, c'est la loi. C'est ça aussi le roseau cassé ailleurs. Mais la gerbe du feu, c'est la loi qui était toujours d'actualité pendant que Jésus était sur terre. La mèche qui brûle encore, Esaïe 42, c'est l'ancienne alliance. Mais avant de dire la mèche qui brûle, on a parlé du roseau cassé. Et nous savons que la loi aussi est un roseau cassé. Mais dans cette explication, il y a une similitude. L'ancienne alliance qui est la mèche brûlée encore. Or, l'ancienne alliance, c'est la lettre, le ministère de la lettre qui était dans l'ancienne alliance. Or, quand on parle de loi aussi, si on dit que la gerbe aussi est la loi, quand on parle de la loi aussi, c'est la lettre aussi qui tue. Donc, ça montre que les deux sont différents. C'est-à-dire, c'est la même chose. Hein. La gerbe du feu, c'est la loi qui était d'actualité. La mèche qui brûlait, c'est l'ancienne alliance. Mais les deux, la gerbe, la mèche, la loi, l'ancienne alliance, c'est la lettre. Les deux sont la lettre. C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair. C'est clair, mais non, mais je reprends encore. Je peux reprendre 1000 fois. Hein. Acclame Jésus. C'est bon? Oui. Donc, la gemme est aussi l'écriture ou la lettre. Écrivez. Ah, vous n'avez rien écrit.
Ah, soyez dynamique quand on dit les choses. Notez. Pardon? Une explication. Vous l'avez vu? Ça ralentit. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Avant de clôturer. La gerbe de feu, c'est la loi. La gerbe de feu, c'est la loi. Point. La mèche qui brûlait encore, c'est l'ancienne alliance. La mèche qui brûlait encore, c'est l'ancienne alliance. Et vous mettez ici Ésaïe 42. Ah, c'est. Il y a une décade, en tout cas. C'est, mettez flèche, on sait. On sait. Voilà. Cette flèche doit venir ici. Cette flèche est là. Et cette flèche est là. Ah. Voilà. L'ancienne alliance, c'est le ministère de la lettre, l'écriture. L'ancienne alliance, c'est le ministère, le ministère de la lettre, l'écriture, voilà. La loi. Vous voyez que les dieux sont caractérisés par le feu. Le feu qui est là, là, c'est pas le feu de Jésus. Ce n'est pas le feu dévorant. Ce feu montre que, vous voyez quand on allume un feu là, en actualité. C'est ah, l'actualité, c'est clair. Donc ça montre que c'est le feu ici montre que l'ancienne alliance et la loi sont d'actualité. Vous voyez, mais on dit le feu pour. Donc c'est dans la Bible là, il y a trop de métaphores, trop d'allégories, trop de métaphores. C'est pourquoi il faut être intelligent pour comprendre la Bible. Tout le monde, Dieu a créé tout homme intelligent. Si tu ne comprends pas français, soit tu comprends ta langue. Or, aujourd'hui, la Bible est dans toutes nos langues. Donc, tu dois aussi apprendre. Donc, ça montre que nous devons être éduqués. Donc, l'école aussi joue son rôle. Pour ceux qui parlent le parc vernaculaire aussi, il y a aussi l'école d'alphabétisation dans nos langues vernaculaires aujourd'hui. Donc, personne n'a aucune raison à donner pour dire que moi, je ne suis pas intelligent, je ne comprends pas et je ne suis pas allé à l'école. Ou bien je suis allé à l'école, mais je l'ai laissé après. Non. Parce que la Bible a été, la parole de Dieu a été donnée. Et la Bible est partie aujourd'hui. Et la Bible est même dans plusieurs langues. Donc nous n'avons aucune raison à dire, à donner, pour être dans, comment on appelle cela, pour être dans la nonchalance ou la négligence. Voilà. Non. Ou dans la paresse. Non. Aucune raison. Même en plus, ça, si nous ne savons ni lire, ni qu'on ne comprend pas bien la langue, il y a des prédicateurs aussi qui prêchent. La Bible dit quoi? Que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et Dieu envoie des prédicateurs partout. Comment entendront-ils l'évangile si personne n'est envoyé? Aujourd'hui, plusieurs sont envoyés. Alors donc, quelqu'un forcément nous expliquera quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc nous n'avons aucune raison. C'est clair? Gloire à Jésus. La loi, c'est aussi la lettre. La loi, c'est aussi la lettre. Gravée sur des tables de pierre. Gravée sur les tables de pierre.
sur les tables de pierre. Alors, ici, le feu et la brûlure n'est pas synonyme de jugement, ou bien n'est pas synonyme, j'ai étudié un autre mot. Ici, le feu ou la brûlure, ne sont pas synonymes. Vous pouvez vous lever et dire. Ah, voilà, symbolise l'actualité, c'est-à-dire, on peut dire l'activité. Le feu ou la brûlure. Le feu ou la brûlure, voilà, où c'est mieux, où effacer, mais ça voit déjà. Le feu ou la brûlure est en train de, voilà, le feu ou la brûlure est en train de représenter, c'est-à-dire l'actualité, c'est-à-dire. L'ancienne année, ce qui était l'actualité. C'est mieux, non? Oui. Pardon? Ça arrive. Donnez-lui le micro. Tu veux, chacun lit à côté. Vigueur, voilà. Acclame Jésus pour sa vie. Ah, il a utilisé le mot juste même. D'actualité, en vigueur. Ça, c'est dans nos pays, on dit en vigueur, en vigueur. En vigueur. Donc, le feu, ici, j'aime ici. Ici. Ici, le feu ou la brûlure, voilà, explique que l'ancienne alliance et la loi étaient toujours en vigueur. Étaient toujours en vigueur avant la grâce et la nouvelle alliance. Ou bien avant la nouvelle alliance. Et la grâce était en vigueur, c'est mieux. Était en vigueur. Pardon? Non, j'ai dit, était en vigueur avant la nouvelle alliance et la grâce. C'est bon? Non, comme j'ai dit ici, le feu c'est et la brûlure, voilà. Si vous me suivez, vous êtes même en arrière. Et la loi était. Est-ce qu'on peut dire que le feu, c'est l'adoration et c'est la prière? Non, ici c'est où? Non, c'est où le contexte? C'est en dehors du contexte. C'est pas dans le même contexte, non. Ça peut symboliser autre chose ailleurs. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'ancienne alliance et de la loi. Donc, c'est en vigueur. Le feu. Quand, parfois, le feu, ça peut avoir une interpellation ailleurs dans un autre contexte. Mais dans notre contexte ici, là, quand on dit la gerbe de feu, ça montre que la gerbe brûlée, ça montre que c'est d'actualité, c'est en cours, c'est en vigueur, quoi. La mèche qui brûlait encore, c'est en vigueur. Voilà, c'est d'actualité. L'ancienne alliance et la loi étaient en vigueur. Étaient encore en vigueur. Avant la nouvelle alliance. Non. Oui, avant. La nouvelle alliance et la grâce. Voilà. Pour suivre l'ordre. Maintenant, pourquoi on met d'abord la gerbe dans le verset? Avant de mettre les quatre animaux. C'est pour dire quoi? Les quatre animaux n'existent pas avant la lettre. Or, la gerbe, c'est la lettre, la loi. Ce qui veut dire que pour sortir les quatre animaux, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord interpréter
La lettre. Si nous n'interprétons pas la lettre, nous ne pouvons pas voir les quatre faces. C'est pourquoi on met d'abord la gerbe. Est-ce que vous comprenez? Avant de mettre les quatre faces. Donc c'est dans l'interprétation de l'écriture, de la lettre. C'est ça. C'est lorsque nous serons en train de travailler sur la gerbe du feu que l'on verra les quatre animaux ou les quatre faces. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, révélation sans interprétation. Il n'y a pas connaissance sans interprétation. Il n'y a pas prophétie sans interprétation. Il n'y a pas doctrine sans interprétation. Or, il n'y a pas interprétation sans lettre. La lettre est d'abord ce qui est caché. C'est la portion de l'écriture qui a besoin d'être interprétée. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, l'on doit d'abord interpréter la lettre afin de révéler les quatre animaux, la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Ceci affirme que l'on doit interpréter d'abord l'écriture avant de parler d'une de ces branches. Gloire au Seigneur Jésus. Lisez-moi Exode 27, verset 16. Exode 27, verset 16. Exode chapitre 27, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie. Avec quatre colonnes avec quatre reprenez la lecture. Il y en a vu trois colonnes. Prédication, enseignement. Ici, on a voit quatre bras. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Ici, ça, il y a encore quatre colonnes. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Relisez. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Quatre colonnes et quatre bases. Voilà. C'est clair. Ou bien? Oui. Voilà. Quatre colonnes, les quatre bras sont aussi quatre colonnes. Notez, le verset mettez les quatre bras sont aussi les quatre colonnes. Voilà. Qui, le voile, c'est quoi? Ici, le rideau ou le voile, c'est quoi? On a dit ça ce matin. Le voile veut dire quoi? Comment dire? La lettre, genre, cachée. La lettre ou l'écriture. L'écriture, voilà. Qui est donnée comme bégaiement. Donc, nous mettons que le rideau, c'est la lettre. Donc, comment ça veut dire qu'il y a quatre colonnes dans le rideau? Parce que chaque fois quand Dieu met la lettre, il met quatre faces, il met quatre langages. La lettre ne peut être comprise sans interprétation. C'est l'interprétation qui révèle les quatre. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Ça, c'est ces quatre langages que nous utilisons dans la prédication de la parole, dans l'enseignement de la parole et dans l'exhortation. Ça dépend du but que nous voulons atteindre. Selon l'esprit. Avec ces enseignements, non, attendez, on va photographier. Ah. On doit photographier. Prenez la photo. Et à vous, regardez, voilà, pour que les bien-aimés puissent vraiment, pendant ce temps, lire.
Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je dis que, on dit dans 2 Corinthiens 3:15, jusqu'à ce que ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. On a dit ça aujourd'hui, non? Oui. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. En même temps, instantanément. Cela veut dire que quand tu lis la loi là, tu ne comprends rien. Est-ce qu'on peut pratiquer ça aujourd'hui? Tout. Parce que c'est. On dit beaucoup de choses même. Qu'on ne doit pas porter un vêtement de fil tissé. Un vêtement de mélange de fil. Moi, quand on lit ça, est-ce que tu comprends? C'est des mélanges, trop de choses. Or, si j'ai le Saint-Esprit là, il me donne la loi de Dieu. Et cela me suffit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. J'obéis au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oui. Alors, l'Écriture est un voile qui couvre 4 colonnes. Notez. Notez en même temps là. L'écriture est un voile. Voilà, mettez les 4 voies de suite. Les 4 voies de suite. Les 4 voies de l'évangile. L'écriture est un voile qui couvre 4 colonnes. Et ces 4 colonnes sont les 4 langages. Voilà. L'église a une colonne qui couvre 3 colonnes. Prédication, enseignement, exhortation. L'écriture est un voile qui couvre 4 colonnes. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, pour pouvoir voir la révélation, là, il faut faire quoi au rideau? On dit que le rideau couvre les 4 colonnes. Pour avoir la révélation, là, il faut déchirer le rideau. Il faut enlever le rideau. L'enlèvement du rideau est en réalité la révélation ou l'interprétation par 4 langages. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Le ravissement du rideau est le dévoilement de la parole. Tant que le voile est là, quand tu prends le verset, tu vois un verset, on dit. Un verset, par exemple. Juges 6. On n'a pas besoin de lire, moi, mais je lis. Je lis ici, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si tu veux étudier ce verset par connaissance, tu dois connaître l'histoire. Pourquoi cela? Par connaissance, littéralement. Parce que j'ai dit, on doit aller délivrer. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est révélation, en même temps, je dis, dans la révélation, qui est Gédéon? Dans la révélation, qui Gédéon va délivrer? Parle dans la connaissance. Dans la connaissance, c'est le peuple d'Israël. Mais dans la révélation, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça la parole. Dans la prophétie, qui est ce Gédéon? Dans la doctrine, qui est ce Gédéon? C'est comme ça la Bible. C'est bon, non? C'est là que vous allez, vous-même, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre la Bible par 4 manières. Acclamez le Seigneur Jésus. Et l'expliciter en 4 manières. Non. Suivez l'ordre. Ici, dans la doctrine, dans l'enseignement doctrinal, tu dois être organisé. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Vous allez être embrouillé.
Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. C'est l'ordre. Donc les quatre colonnes du rideau sont les quatre langages, les quatre faces, comme les quatre animaux. Alors, je vous explique ce mystère avant de continuer. On dit quatre bras de l'évangile. Est-ce que l'être humain a quatre bras? Non. L'être humain a combien de bras? Deux. Mais pourquoi on dit que l'homme, c'était un homme, mais en quatre faces. Et après, on parle de quatre animaux. En réalité, le bras de l'évangile représente un animal. Quand vous voyez comment l'animal est, comme ça, les quatre pattes, en réalité, c'est les quatre bras. Nous voyons les pieds comme des bras. Oh, c'est différent de l'homme. L'homme est debout. On voit les bras. Mais l'animal, on voit comme si c'est quatre bras. Donc les quatre pattes de l'animal et les quatre bras de l'évangile. Donc ça fait un seul animal avec quatre pattes. C'est ça l'évangile. Ça veut dire que Jésus-Christ est le lion avec quatre pattes. Il est l'agneau avec quatre pattes. Il est le veau avec quatre pattes. C'est l'animal ayant quatre pattes. Et l'évangile avec quatre bras. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons notre enseignement. Alors, il est important de savoir que l'ignorance de ces quatre branches entraîne nécessairement une mauvaise interprétation de l'écriture. Si tu es ignorant que ces quatre branches existent là, tu vas délirer. Quand tu prends la Bible, tu vas prêcher en l'air. Tu vas faire des erreurs. Ou soit tu vas prêcher, mais toi-même tu ne sais pas ce que tu dis. Or, l'esprit doit t'utiliser, mais l'esprit aussi pense quelque chose qui est en toi. Donc, si toi-même tu n'es pas en esprit, tu ne sais pas ce que tu fais là, tu seras désorganisé. Le peuple aussi doit savoir, comprendre que, lui là, il est en train de nous expliquer. Quand il prêche ceci, ça c'est la connaissance qui le pousse à parler. On peut faire une prédication par révélation, sans pour autant interpréter. Mais quand on prêche, on fait une prédication par révélation, ça devient un peu bleu. Il va dire des choses, il va dire que les corbeaux qui ont nourri Élie, c'est les anges. Ça, c'est une prédication. Hein? Il va dire ça au pied levé. C'est pourquoi nous devons nous laisser diriger par l'esprit. Parce que lorsque tu auras fait, tu enverras ces anges. Et ces corbeaux, c'est les anges. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une prédication, non? Et les gens sont contents. Mais est-ce que tu as compris qui sont, pourquoi c'est les anges? Ça, ce n'est pas l'enseignement. Mais c'est la prédication par révélation. Mais ce n'est pas un enseignement par révélation. C'est clair maintenant? L'enseignement va expliquer cette déclaration. Alors, cette déclaration, ce n'est pas une simple connaissance, mais c'est une révélation. C'est comme ça, là, les choses sont. C'est doux, non? C'est le doux et c'est le miel qu'ils sont en train de manger. C'est délicieux, hein? Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Donc, on continue. Vous voyez? Écoutez, voilà pourquoi il y a des désordres dans les écrits, des disputes de mots. C'est pourquoi moi je vais parler par révélation. Toi tu parles par doctrine. Et toi tu dis, mais pourquoi lui dit ça? Il doit parler comme moi par doctrine. Or c'est le même évangile. Moi je parle par révélation. C'est pourquoi, c'est à cause de ça que l'apôtre dit, évite les disputes de mots. On a vu ça hier, c'était dans 2 Timothée. En tout cas, cherchez ça. Souvent, quand je dis chercher, vous ne trouvez pas vous-même. Je vais trouver ça maintenant. Non. Un Timothée. Si ce n'est pas dans un Timothée, ça doit être dans deux. La dispute, des disputes de mots. Hein? Voilà, lisez. Un Timothée chapitre 6, verset 4.
Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Des questions oiseuses. Et des disputes de mots. Vous allez voir, c'est une chose qui va vous éteindre dans le corps de Christ. Quand vous voyez la vie, ne commencez pas à insulter. C'est la mauvaise compréhension de la parole. C'est parce que vous ne connaissez pas les langages que vous commencez par insulter. Et commencez, vous prenez l'affiche et vous allez diaboliser la personne. Quand moi je mets maintenant enseignement, le filet de l'oiseau. Les gens disent, c'est quoi ça? Est-ce que le peuple a besoin de ça? Enlève mes proches. Jésus revient. On n'a pas besoin de prêcher ça. C'est pas toi, mais tu manques de connaissance de la parole que tu dis ça. Il y a des choses. Ça, c'est dans la Bible. Alors, si c'est dans la Bible, ça doit être expliqué, non? Oui. Ou bien une sorte de la scène dont vous cachez les choses. Non. Voilà. Ou soit un thème comme ça, on dit, on met comme ça. L'Égyptien que Moïse a tué. Et quand tu vois ça, tu vas quand même pas critiquer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir qui est l'Égyptien? Oh, regardez, on veut parler de Jésus. Hein? C'est pourquoi quand vous voyez la Bible, vous voyez les choses là, dans la parole de Dieu là, soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand vous voyez les choses, parfois, ça va vous conduire. Avec ça, là, cette sagesse, vous n'allez plus diaboliser les hommes de Dieu. Parce que, même s'il n'est pas dans la sainte doctrine, c'est une connaissance biblique qui est là, que moi je peux carrer pour mon édification. Vous comprenez? Oui, oui. Ces choses nous enlèvent le zèle amer. Parce que désormais, vous allez voir, quand je vais partir, même, l'esprit ne va quand même pas vous utiliser. Vous allez voir des titres même de la Bible. Et tout ça nous prépare au nom de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu qui. En réalité, on veut parler dedans de la sanctification, on veut parler de Jésus, tout ça. Mais on n'est pas obligé de mettre un terme sanctification. Moi, je dis toujours que quand moi je vais prêcher un thème, je n'ai pas dit des choses ordinaires. Non, je ne suis pas appelé à dire des choses ordinaires. Non. Je prends un thème dans la Bible, qui est dans la Bible, qui est caché, que les gens ne connaissent pas. Ça, moi, j'enseignerai. Sinon, si moi, je prêche aussi les mêmes choses ordinaires, là, quelle est l'utilité de mon ministère alors? Vous comprenez? On comprend. Quelque part, on va parler du caleçon endommagé. Dans Daniel. Vous voyez ça dans la Bible? Dans Daniel et ses compagnons. Le caleçon endommagé. Et quand vous voyez, par exemple, moi je viens maintenant, je dis, t'aimes, le caleçon endommagé, vous allez dire que c'est la chair, c'est sûr. C'est dans la Bible, hein? On veut parler du quoi? La sanctification, la consécration. Ce caleçon a été couvrant la nudité. La nudité doit être couverte. Or, c'est le caleçon qui couvre la nudité. Donc ça montre que vis la sanctification, marche dans la consécration pour que de peur que ta nudité ne soit dévoilée. Un celui qui fait pour toi ça est dans la chair. Non. C'est toi qui n'as pas vie de méditation. C'est pourquoi tu raisonnes. C'est puissant. C'est ça le langage de la parole. C'est pourquoi je dis que quand tu connais le langage de la parole, tu éviteras les disputes inutiles. Voilà, mais tu dénonces le péché, les erreurs. Mais les choses qu'on ne doit pas dénoncer là, tu laisses de côté. Et tu continues à prêcher. Fais toi. Quand tu parles, toi aussi là, quand tu diaboliques pour les autres là, toi aussi, lorsque tu vas avoir une révélation, une interprétation, tu vas avoir une inspiration pour prêcher pour l'église là. Les mêmes personnes à qui tu dis que ces gens, ces autres thèmes sont diaboliques, vont te lever et te dire toi aussi, ce thème est aussi diabolique. Or, c'est de la Bible. Parce que tu les as montré que. La sainte doctrine est charnelle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Par exemple, je viens seulement lui dire. Je viens lui dire. Ok, je dis. Donnez-moi les thèmes. Il y a des thèmes comme ça dans la Bible qui sont des enseignements forts sur la sainteté. Des enseignements forts sur Christ. En réalité, l'interprétation des Écritures a pour but de nous montrer Christ en quatre dimensions. Éphésiens 3. 18, si je me trompe pas, on va voir. Vous voyez que votre intelligence est en train d'être révélée. Oui. Voilà. Désormais, vous allez voir que l'esprit de Dieu va prendre le pouls avec vous. Je vous dis la vérité. Si vous mettez en pratique tout ce que je vous dis là,
L'Esprit Dieu va prendre l'eau sur nous, tout nous. Vous voulez voir que le peuple sera plus nourri. Quelqu'un prêche là-bas, il prêche par un autre langage, il prêche, il peut prêcher la Sainte Grâce. Le peuple est content. L'autre point, l'autre langage, sur le même thème, ça édifiable. Il y aura beaucoup de prédications qui, quand vous allez commencer par avoir beaucoup de thèmes maintenant, beaucoup d'inspiration. Alors déjà, vous connaissez déjà le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est quoi? Trois colonnes pour quatre bras. Trois colonnes, quatre colonnes. Prédication, enseignement, exhortation. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Quand vous avez ces choses en tête, c'est fini. Vous commencez par le peuple sera édifié. Et la bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde. Et les gens seront sauvés. Et on est sur quoi? Éphésiens chapitre 3, le verset 18. Là, on parle de dimension. Oui, oui. Ok, commencez. Je fléchis, je vous. Non, vous puissiez comprendre. Oui, retournez en arrière. Là où ça a commencé. Je fléchis, je prie. À partir de moi qui suis, moi qui suis le moins. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne. Afin qu'il vous donne. Selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Moi aussi, Silas, je fléchis genoux devant Dieu pour qu'il vous donne cette richesse. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. En sorte que. Quand on a dit l'homme extérieur, on n'a pas dit la chair. On ne fortifie pas la chair. Si tu fortifies la chair, tu vas combattre l'esprit. C'est comme la guerre entre Isaac et Ismaël. On dit que le fils de la chair, c'est Isaac, né selon la loi et selon l'arabe. Le fils selon l'esprit, c'est Isaac. Il y a une guerre entre les deux pour que les deux ne fassent pas ce qu'ils veulent. Mais pour que celui qui est né d'esprit fasse ce que l'esprit veut, celui qui est né de la chair fasse ce que la chair veut. C'est comme ça. C'est ça la guerre entre l'esprit et la chair. Continue. Donc nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur, dans notre esprit et non dans la chair. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Dans l'amour, non. Ça, l'amour, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc le tout est encore revenu. Le tout est encore revenu. Vous-même, vous êtes en train de comprendre déjà les choses. C'est pas un ministère de la. C'est pas. En réponse à l'autre frère, c'est pas un ministère qui doit manifester l'amour. C'est tous les saints ministères. Tous les saints ministères doivent manifester l'amour. C'est ça la parole de Dieu dit. C'est le même, c'est un verset biblique qui le dit. Hein? Reprenez. Afin qu'il puisse faire quoi? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans l'amour. Voilà. Hein? Vous puissiez comprendre. C'est pas l'amour qu'on puisse comprendre. Ça, l'amour, vous ne pouvez jamais comprendre. Si vous avez la colère là, vous n'allez jamais comprendre. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur? La largeur, mettez largeur. Les quatre bras de l'évangile, les quatre dimensions de l'évangile. Si. Oui, notez non. Largeur, hein? On commence par la largeur, non? La largeur. Oui. La largeur, la longueur. La longueur. La profondeur. La profondeur. Et la hauteur. La hauteur. Et l'amour. Et connaître l'amour. Ouais, l'amour de Christ. Est revenu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Donc ça montre que tous les ministères doivent avoir le ministère pastoral. Parce que c'est ça l'amour. Le docteur, c'est la profondeur. Le prophète, c'est la hauteur. L'apôtre, c'est la largeur. L'évangéliste, c'est la longueur.
Le pasteur est l'amour. C'est quoi? C'est les pasteurs qui manifestent beaucoup l'amour. Mais les autres aussi doivent manifester l'amour. Hein. Parce qu'on met l'amour, on met le lien de l'amour pour tout le monde. Parce que les autres vont puiser chez le pasteur. Parce qu'on dit élargis le royaume des cieux. Ça, c'est l'apôtre. La longueur. Embrasser les âmes. C'est l'évangéliste. Profondeur, docteur, auteur, prophète. Profondeur, docteur. Ça ne veut pas dire que l'évangile peut être dans les quatre, six dimensions. Les quatre dimensions. L'apôtre peut être dans les quatre dimensions. Le pasteur peut être dans les quatre dimensions. Le docteur dans les quatre dimensions. Il y a, c'est juste un des exemples pour montrer que tout fait cinq ministères. Tous doivent être dans l'amour de Christ, pasteur. Non, non, ne le fasse pas, mais pasteur ici. L'amour du Christ. C'est la dimension de l'amour. C'est ça même. C'est bon, on dit que même si nous pouvons être dans la hauteur, la longueur, la profondeur, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes. C'est ça. Nous pouvons même faire les dons, dévoiler les mystères de la science. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des. Nous sommes. Ça, c'est les quatre dimensions. Donc, il y a plusieurs thèmes de la Bible. Je vais dire maintenant, l'arche qui a conduit. Non, je peux venir dire thème, l'arche de Noé. Je peux venir dire le rocher dans le désert. Le tabernacle de Moïse. Je peux venir enseignement, temple de Salomon. Non, c'est le temple de Salomon, en réalité, c'est l'image du corps de Christ. Quand Jésus dit détruire ce temple, et en trois jours, je vais le bâtir. En réalité, tout a pour but de révéler Christ. Je peux venir seulement et faire un serment, dit le sycomore de Zachée. Jésus. Le sycomore des archers. Les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Non, c'est l'évangile qui est toujours fraîche. Dedans, on va parler de beaucoup de choses. Dedans, on parlera du retour même de Jésus. On va prendre le sycomore comme un signe du retour de Jésus. On va faire un enseignement en parlant de l'amandier. L'amandier, j'ai fait un enseignement sur ça. Vous avez suivi ça? Statue. L'amandier. On peut faire un enseignement dire l'amandier de Jérémie et venir expliquer. L'amandier de Jérémie, c'est quoi? C'est Dieu se souvient de son projet dans ta vie. C'est l'horloge prophétique. Quand tu veux consoler, tu dis, même si ça t'a ça, comme ça accomplira là, tu viens seulement, tu dis, l'amandier de Jérémie. Et tu vas expliquer l'histoire. Et les gens disent, waouh! C'est là, les gens seront, waouh! Donc la parole de Dieu. C'est profond. Vous voyez ça? Acclame Jésus. Vous voyez? L'expliquer, pas les quatre langages. Je peux venir comme ça et dire les oiseaux du ciel, terre. C'est bon? C'est parce que vous n'avez pas les langages de la parole que vous manquez. Vous avez l'inspiration, hein. Vous avez l'onction, vous avez le feu, mais vous manquez de terre parce que vous ne maîtrisez pas les langages. Quand vous maîtrisez les langages là, c'est bon, moi quand je prends n'importe quelle chose dans la Bible, je vois forcément une révélation. Et en même temps, je ris. Et je vois, ça dit qu'il n'y a pas ce verset. Quand je prends, je vois. C'est pourquoi, parfois, si. Tu n'as pas une révélation. Moi, parfois ça m'arrive, si je n'ai pas une révélation, je sais que je l'aurai forcément. Mais je dis à la personne, attends, je vais aller méditer. Tu peux me poser une question, ça peut faire 6 mois avant que je te réponde. Ça ne veut pas dire que je t'ai ignoré. Parce qu'il faut aller méditer avant de dire des choses. Mais moi, je sais que quand je prends, je trouve en même temps. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Donc vous êtes aussi capable d'exceller dans ce domaine. Amen. Parce que vous êtes ces prédicateurs dans cette doctrine. Oui. Mais sachez que les hommes viendront à vous pour poser des questions difficiles. Si vous ne comprenez pas, comment eux vont comprendre? Ils vont dire qu'ils prêchent la sainte doctrine, mais ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas moins. Ils ont du zèle, mais ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas l'intelligence.
Et c'est là, vous allez renvoyer même d'autres. Les intellectuels du monde viendront. Quel enseignement va renverser un scientifique? C'est ces enseignements. La météo a son... Vous devez savoir que la météo du monde, là, on peut prendre ça et expliquer la Bible. La géographie. Dieu, c'est lui qui a créé la géographie. L'histoire, la météo, tout. Donc, il y a aussi trois colonnes. L'espace, le temps. Il reste le troisième que j'oublie là. L'espace, le temps. Oh, il reste un troisième. Ça va venir. C'est ça, pardon? La terre. Non, non. L'espace, le temps. Il reste encore ces trois choses. Quand vous entrez dans la parole, là, vous allez voir que parfois, vous avez besoin du temps dans lequel la chose s'est passée pour l'expliquer. Vous avez besoin du domaine dans lequel, ou bien de l'espace, de la géographie dans laquelle la chose s'est passée. Il y a encore une troisième là, que je connais bien. C'est une chance. Pardon? La circonstance. Le temps, la circonstance. Pardon? Là, pour nous, non, on peut dire ça que c'est le temps. C'est le temps. En tout cas, ça, je vais la voir par la gratitude. La circonstance. Ça peut être la circonstance. Donc, le Seigneur va nous révéler cela. Acclame Jésus. Mais c'est trois éléments qui sont aussi comme trois colonnes. Et quand tu comprends le temps, tu comprends l'espace, lorsque tu es dans la parole, tu comprendras beaucoup de choses. Et tu vois là une grande connaissance terrible. Quand on dit le temps, là, c'est la dispensation. Quand on dit l'espace, là, c'est les régions ou les lieux. C'est pourquoi souvent je dis région invisible, visible. Je parle des lieux. Quand je parle de dispensation, je parle du temps, des saisons, des périodes, de là où nous sommes. On peut dire circonstance parce que la Bible dit le temps est la circonstance. On peut dire d'abord circonstance parce que c'est le temps et l'espace qui créent la circonstance. Or, la cohésion de ces deux crée les situations, crée la manifestation de certaines choses. Donc on peut dire le temps, les circonstances et l'espace. En attendant de trouver le vrai mot adéquat à la place de circonstance. Acclame Jésus. Ça concerne surtout le ministère des docteurs. Vous voyez, même les prophètes aussi sont des temps aussi. Mais surtout les docteurs, bah, c'est le ministère d'abord. Dieu dit, le voleur à la droite de Jésus. Et il dit t'aimes. Vous voyez, les gens disent, mais c'est quoi ça? À quoi le voleur à la droite de Jésus va nous édifier? C'est quoi? Oh, en réalité, vous voulez être la droite de Dieu. Parce que l'autre n'a pas reconnu son innocence. Et le second a reconnu son innocence. Ah, c'est à la croix de Dieu que Dieu reconnaît notre innocence. Aujourd'hui, on a vu ça. Oui. Voilà. Vous voyez, ça c'est une autre dimension. Quand tu as cette clé là, c'est fini. Quand tu ouvres la Bible là, tu trouves plein de millions de révélations. Et quand tu vois, tu ris. C'est ça. Non, c'est l'esprit qui fera. Moi, je vous ai donné des exemples textuels, contextuels, des réalités. Je vais donner un exemple. Oui. On peut dire. Micro, donne-lui un micro. Il va intervenir. On peut dire aussi cette femme pour un seul homme dans Ézéchiel. Voilà. Quand les gens lisent, écoutent ça, ils vont dire c'est quoi ça? Cette femme pour un seul homme. Ah, en réalité, là, on parle de l'église. On parle de beaucoup de choses. Tu vois, tout ce qui est dans la Bible, on dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Même que ça soit la lettre là, c'est d'abord inspiré de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui est écrite ici là, c'est inspiré de Dieu. Voilà. Donc, quand je vois quelque chose là, je tourne une version. Je peux venir parler du terme de la femme de Potiphar. Parce que je veux parler contre les publicités. Pour la convoitise. Vous comprenez? Voilà. Or, en réalité, tout ça, c'est dans la Bible.
le bateau dans lequel était Jésus et les disciples. C'est aussi un thème. C'est pas, je suis pas de vous donner le thème à prêcher. Non. Ce n'est jamais ça. Hein. Moi, je vous donne des exemples pour vous montrer que c'est des choses qu'on utilise pour interpréter par révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Voilà. Acclame le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ces choses-là, toute sa vie là, dans le ministère, là, il sera dans les combats inutiles. En train de diviser, de railler les gens. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vois des thèmes là, ça va t'étonner. Toi, tu seras dit, mais c'est quoi ça? Tu vois? Toi, tu seras étonné. Les miettes de la nourriture de la table. Ou bien les miettes qui sont tombées de la table. C'est un enseignement, quoi. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait ça, tu dis, c'est quoi ça? Ça va édifier en quoi? C'est quoi ça? Oh, arrêtez, c'est un trésor pour qu'on révèle Christ à quatre dimensions. Voilà. Donc, c'est pour ça. Que la gloire soit due à Jésus. Par exemple, on dit l'agneau rôti au feu. Dans la Bible, on parle de l'agneau rôti au feu. Quand tu vois ça, Dieu prend thème. L'agneau rôti au feu. On va même parler du sacrifice de Jésus à la croix. Et je vais parler aussi de quoi? De la souffrance, de l'épreuve. Parce que là, nous sommes comme des agneaux qui devront être salés de feu. Voilà. Quand je mets ça à vous, on va dire, c'est quoi ça? Oh, c'est dans la Bible. Tout est écrit pour être interprété particulièrement par l'esprit et non pas la science du monde. C'est ça, cette mauvaise compréhension qui engendre des discours inutiles, des divisions, des malcompréhensions, des exagérations, etc., etc. Et les ministres doivent comprendre cela. Parce que l'apôtre ne pouvait pas parler de ces quatre aspects sans parler, regarder l'ancienne alliance. C'est pourquoi on a parlé des gemmes. La nouvelle alliance est sortie de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est le fort. La nouvelle alliance est le bout. Notez. Parce que c'est pourquoi le feu, le fort brûlait, non? Et on dit la gerbe brûle encore et le pompe à feu. Ça montre que c'est ça, la gerbe est forte. Ça montre que la mèche est forte. C'est pourquoi la mèche brûle et ne prend pas de feu. Ne prend pas feu. L'ancienne alliance est forte. La loi est forte. Et dépasse l'attendement de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas supporter. Mais la grâce est douce. La nouvelle alliance est douce. La nouvelle alliance est de l'eau. L'eau de la vie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous quittons là, nous allons dans le jardin de guerre. Vous connaissez déjà ça, on vous a dit ça 5 fois. Ou bien, est-ce que j'ai besoin de continuer, de l'expliquer ça? Les quatre parts de l'évangile, dans le jardin d'Éden. L'eau, allons-y dans. Allons-y dans Genèse 2, 10. Nous disons souvent que le fleuve, c'est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source d'eau vive. Et l'eau qui sort de la source que communique le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est pourquoi nous disons que la parole non interprétée est comme... Non, la parole non interprétée est un langage non facile. La parole interprétée est un langage facile. Donc le Saint-Esprit est l'interprétation de la parole. Donc le fleuve sont l'interprétation de la parole. Mais l'eau, c'est la parole. Que la gloire soit due à Jésus. Genèse chapitre 2. Vous pouvez l'aider. Oui, vous continuez. Non, laissez-le continuer. Voilà. Non, il faut l'aider, quoi. Pendant tout ce temps. Non, je ne dis pas de prendre forcément. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Genèse chapitre 2, le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras.
Le nom du premier est Kishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Kush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, nous disons que les quatre bras du fleuve, les quatre bras du fleuve d'Éden sont les quatre bras de l'évangile. Les quatre langages de la parole, les quatre colonnes du rideau, les quatre faces de l'homme, les quatre faces du veau, selon Ézéchiel. Est-ce que vous voyez? Les quatre aspects de la parole de Dieu, les quatre manières d'interpréter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce fleuve est l'évangile qui arrose le jardin. Ce fleuve est le Saint-Esprit, mais aussi l'évangile. Donc, notez tout ça. Ce fleuve est aussi l'évangile qui arrose le jardin. Et se divisait en quatre bras. Le jardin, c'est l'église. L'année passée, on a dit ça. Le jardin, c'est l'église. Donc, l'évangile doit aussi arroser les. Église, de la même manière que le Saint-Esprit est la source de vie qui arrose l'Église. Notez au fur et à mesure. Or, quand nous allons dans Apocalypse 21, verset 16, lisez-moi Apocalypse 16. Apocalypse 21, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. La ville avait la forme d'un carré. Quatre côtés, quatre faces, quatre aspects, quatre dimensions. Hauteur, largeur, profondeur, longueur. Quatre dimensions. Est-ce que vous voyez les choses? Or, on dit que la ville, la nouvelle Jérusalem, est semblable à un carré. L'église aussi est semblable à un carré. L'église est comme un cylindre. Hier, on a vu que l'église est comme un cylindre. Parce que une colonne est comme un cylindre. Qui a une hauteur et une base. L'église n'est pas seulement comme dans la révélation cylindre, mais aussi un carré. Quatre dimensions. Quatre colonnes. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Or, quand on dit carré là, en réalité, c'est juste. Ça ressemble un peu au rectangle. Est-ce que vous voyez? Ça ressemble un peu au rectangle. Mais on peut dire carré ici, mais que ça soit comme un rectangle. Pourvu que ça soit quatre faces. C'est comme ça la Bible. C'est bon? Vous notez au fur et à mesure? Ok. Cette ville est l'église. Comment on peut dire qu'une ville est l'église? Ça, c'est les figures de style. Dans la révélation, il y a plein de figures de style qui sont utilisées. On va dire que cette ville est l'église. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, j'ai dit que l'ange qui gardait un évangile éternel, en réalité, c'est comme l'aigle. C'est l'aigle en réalité. Le côté aigle des langages. Il volait comme un oiseau. Or, en réalité, c'est un ange. Or, nous sommes très vite, naturellement parlant, l'ange n'a pas d'abord d'aile. Parce que, pourquoi on dit que l'ange n'a pas d'abord d'aile? Parce que, toutes les fois que la Bible parle des anges, la Bible dit un homme est apparu. C'est les hommes qui sont les anges. Les hommes spirituels. Est-ce que vous comprenez? Les hommes esprits. Donc, d'abord, ils n'ont pas d'aile. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de la forme. Dieu peut les utiliser à porter d'elles pour des missions particulières. Ne voyez pas tous les films qu'on nous montre. On montre, on fait comme ça. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Ça dépend de la mission. Ici, on a dit que l'ange d'Apocalypse 14, que l'ange avait des ailes. En réalité, on veut parler de l'aigle qui sonne depuis les hauteurs.
un évangile nouveau, qui est une inspiration venue du ciel. Or, on sait que l'aigle, c'est le prophétique. En réalité, quand on parle de ce prophétique, c'est la prédication de l'évangile éternel. Qui me comprend? Vous ne comprenez pas? Micro, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'entends compris l'explication. Voilà. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'évangile éternel. Et c'était un ange qui volait au milieu du ciel. Or, dans les quatre faces d'animaux, on voit l'aigle qui volait. J'ai dit d'abord, quand on parle d'ange, d'abord, c'est un homme. Pas un homme ayant esprit, âme et corps. Mais un homme esprit, sans chair. Vous comprenez? Nous, on a un corps animal qui enveloppe notre esprit. Mais eux sont esprits. Sa chair. Quand on dit que l'ange vole ici, en réalité, on est en train de parler pas. C'est un langage codé. On parle de la dimension haute, la hauteur. Parce que j'ai dit hier que la vérité quitte le ciel. L'évangile quitte le ciel, pas inspiration. L'inspiration ne se trouve pas sous la terre. C'est le prisme qu'on va trouver sous la terre. C'est la recherche, la fouille, c'est le prix qu'on paie sous la terre pour trouver l'or. Mais l'inspiration vient d'en haut. L'inspiration, c'est l'onction. Or, l'onction, c'est la grâce. Vous me comprenez? Oui. Ce qui veut dire quoi? Si on va par, dans le verset, on parle d'un ange qui volait, on parle en réalité de la dimension selon laquelle l'évangile est comme un aigle qui vole au milieu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Oui. On peut dire que l'évangile, c'est clair maintenant? Oui. L'évangile, un aigle. Souvent, on va dire que c'est l'aigle qui apporte le message. Quand il vole, il vient du haut, il apporte le message. C'est pas l'aigle physique, hein. On parle de l'esprit de Dieu. C'est, en réalité, c'est un autre langage. Voilà. Vous comprenez déjà? Je ne sais pas pourquoi vous voyez l'aigle, vous avez dit ça, c'est l'évangile. On est dans une autre dimension. Nous, on est dans la hauteur ici. Dans la hauteur. Donc, ça montre que la prédication, c'est une inspiration qui vient d'ici. C'est un évangile éternel qui vient d'en haut. Or, on parle de l'aigle parce qu'on dit que c'est le royaume des cieux. C'est dans les airs. C'est au ciel que l'inspiration quitte pour venir sur la terre. L'évangile ne quitte pas de la terre pour aller au ciel. Ça quitte d'abord le ciel sur la terre. Et parce, nous, on veut parfois. C'est parce que par erreur, nous voulons commencer par la terre avant d'aller au ciel. L'évangile est d'abord les choses spirituelles. On a dit aujourd'hui différence entre les choses célestes. Et les choses de la terre. L'évangile vient par inspiration du ciel. Or, la lettre qui tue vient de la terre. Ça, c'est le langage terre à terre. Or, le langage céleste est le langage spirituel. Que la gloire soit due à Jésus. Donc, on continue. Donc, car l'église, cette ville est l'église, l'épouse de l'agneau, prêchée par les quatre aspects de l'évangile. Raison pour laquelle elle est devenue carrée, c'est-à-dire parfaite. C'est pour dire que l'Église atteindra sa perfection grâce à la révélation. Ah, vous voyez, je vais prendre la lecture de ce que j'ai mis ici. Cette fille est l'Église, l'épouse de l'agneau, prêchée par les quatre aspects de l'Évangile. Raison pour laquelle elle est devenue carrée. Vous voyez, dans le verset de l'Apocalypse 21, c'est-à-dire parfaite. C'est pour dire que l'Église atteindra sa perfection. L'Église de l'homme atteindra, je parle du corps de Christ, mais précisément vous, nous. L'Église de l'homme atteindra sa dimension parfaite lorsque l'Évangile sera prêché par révélation, par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine. Voilà. Ouvrez le verset de 1 Corinthiens 14, 6. Je viens. De quelle utilité? 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Je vous au nom de Jésus. Et maintenant, frères,
De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? J'ai dit que l'évangile quitte le ciel et vient sur la terre. L'évangile ne quitte pas la terre pour aller au ciel. Hein? Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Parler en langue, c'est donner une écriture littérale. Mais parler par le langage, c'est d'interpréter cette langue qui est la parole de Dieu. C'est clair, hein? Ok, maintenant, après ça, il y a d'autres révélations sur les quatre et bras de l'évangile. Et l'âge de Noé aussi, il y a les quatre bras de l'évangile dans l'âge de Noé. Dans beaucoup de choses, même David, Goliath, tout ça. Dans l'histoire de Rachel, Léa, Zilpa et Bila, il y a ça dedans. Partout, il y a les quatre langages dans la Bible. C'est pourquoi on ne peut pas prêcher la Bible en dehors de ça. En fait, c'est ça, c'est le gars qu'on appelle les langages spirituels. Quand l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 14, verset 7, c'est ça, non? Nous apprenons un langage spirituel pour les choses spirituelles. On parle de ce langage. Si toi tu prêches un évangile et on ne sent pas ça dedans, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile, c'est la chair. C'est clair? Si tu es en train d'enseigner, on ne sent pas ça. Ce n'est pas l'évangile. Tu prêches toi-même. Tu prêches ta chair. Tu prêches la terre. Ou tu prêches le monde. Ou bien tu prêches la science des hommes. C'est clair? C'est pas ça que nous allons confondre les scientifiques. Pas le Saint-Esprit. Si nous avons ce langage à la bouche là, oh là là, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Tu ne comprends pas les dire que dans la science, les cieux représentent les hauteurs. Et les hauteurs représentent le ciel. C'est là qu'est l'inspiration de Dieu pour venir sur la terre. L'inspiration ne quitte pas la terre pour aller au ciel. Or, eux quittent la terre pour aller au ciel. Nous, on quitte le ciel pour aller, pour vivre sur la terre et quitter après la terre pour aller au ciel. Où est la différence? C'est ces enseignements qui vont renverser la science des sages de ce monde. Imagine si tu vas voir un président et tu n'as pas la connaissance. Comment tu vas le gagner? Tu vas dire, comment tu vas le dire que ce qui va, comment tu vas le dire que ça, c'est la chaise dans laquelle il est assis. Sur laquelle il est assis, c'est ça qui le conduira à l'enfer. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ça? Tu lui diras comme ça directement. Non. Tu le confonds d'abord par la connaissance de la parole, par l'intelligence de la parole. Et lorsqu'il va croire, il va dire waouh! Ça, c'est la révélation. Waouh! Je n'ai jamais entendu cela. Moi, quand parfois je prêche à des personnes qui sont des grandes personnes, ils me disent je n'ai jamais entendu cela. Vraiment, ils disent waouh! Non, non, non. C'est la vérité. Même les pasteurs de l'église théologique, beaucoup suivent mes enseignements. Je vous dis, beaucoup suivent mes enseignements. Et quand ils suivent, ils disent que vraiment, nous, on évite. Un m'a dit, vraiment, c'est le Dieu. Nous, on vous suit au Congo. Nous, on vous suit là-bas. Nous, parfois, il est au Congo Brazza. Parfois, nous, on est obligé d'inviter des prophètes pour faire le prophétique dans nos églises. Or, que nous avons aussi besoin d'enseignement. Pour grandir dans la foi et en voyant mes enseignements, ils sont édifiés. Donc ces enseignements, c'est ça qui va montrer que nous sommes intelligents dans le réveil, que nous sommes intelligents et sages dans le réveil. C'est là où nous allons entrer dans cette dimension et c'est là où nous pouvons confondre les scientifiques de ce monde. C'est après avoir révélé Christ et avec ces quatre dimensions que son cœur sera dévoilé. Il va dire dis-moi tout. Tout ce que tu me diras là, je vais au pays. C'est là par sagesse tu vois qu'on ne va pas lui parler des choses là. Sa chaise là, l'évangile ne tolère pas ça. Il a déjà cru à l'évangile, non? Voilà la sagesse. On ne commence pas d'abord par prêcher autre chose. On révèle. Il faut que son cœur soit dévoilé. Lorsque son cœur soit brisé là, la chaise soit brisée là, son cœur soit brisé, lui-même va dire non. Je dois l'écouter. Par ce qu'il dit là, c'est rompement. Différent de ma manière de voir. Parce que c'est spirituel. Et là, son cœur sera ouvert. Il va dire, dis-moi tout. J'obéirai à tout. Il va dire, enlève ça. Enlève ça. Enlève ça.
et il va tout enlever. Acclame Jésus. C'est ça la sagesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc on continue notre enseignement. Waouh. Donc il y a beaucoup d'éléments. Hein. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les quatre femmes. Tu vois, il y a aussi quatre femmes. Vous voyez. Ces quatre femmes, Léa, Rachel, Zilpa, Bila, c'est les quatre bras de l'évangile dans la révélation. L'église. Les quatre pieds de la table. Des paix de proposition. Il y a beaucoup de choses. Même l'autel. Les autres, il y a un des autels dans le tabernacle qui est carré. Ça, c'est encore les quatre langages, les quatre faces. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, nous allons commencer par expliquer. Parler par révélation, c'est quoi? C'est ça, nous allons finir et conclure. Je vous dis la vérité. Le Seigneur disait le dimanche, qui a écouté, que nous allons donner des enseignements qui vont faire quoi? Confondre la science des sages. Si vous gardez, c'est l'onction que le Seigneur vous donne comme ça. Vous avez l'onction, mais c'est la connaissance qui donne l'onction. Si vous avez cette connaissance et que vous avez une vie d'intimité avec Dieu, de prière constante avec le Seigneur, Dieu va vous utiliser à confondre vraiment les sages de ce monde. Vous serez étonné de voir les scientifiques à genoux devant vous pour chercher Christ. Bon, il faut voir que c'est une science qui n'est pas terrestre. C'est une science qui dépasse. Si nous prêchons un message terre à terre lié à leur science, comment nous allons les gagner? Nous allons dépasser leur niveau. Eux sont sur la terre, non? Nous, on va monter comme des cerfs et apporter la révélation du ciel pour les confondre sur la terre. C'est comme ça là, l'évangile. Et on dit, waouh, je dois nous... Ah, ils seront obligés de croire à notre évangile. Ils sont obligés. Que la gloire soit due à Jésus. Alléluia. Pour l'occasion, celui est, nous allons expliquer les quatre. Révélation, prophétie, révélation, connaissance, prophétie, doctrine. C'est ça que nous allons faire et clôturer pour aujourd'hui. Donc nous allons, c'est détaillé, mais nous allons lire seulement. Et vous notez les bonnes parties. On peut expliciter un peu, mais lire. Donc vous allez garder l'écoute. Parce que déjà, vous connaissez déjà tout. Hein. Mais je fais un résumé. Demain aussi, on va faire un petit résumé le matin, avant de commencer. Demain, si le Seigneur le veut, demain, nous allons parler des quatre, des cinq ministères de l'autorité. C'est bon? Oui. Les cinq ministères d'autorité. Voilà. Et après le soir, nous allons consacrer le soir pour la prière. Donc, aujourd'hui, on ne va pas encore. On a prévu prier, mais laissez les soeurs viser autrement. Donc, demain soir, on va beaucoup prier. On va faire prière de purification de nos pensées. Parce que l'ennemi cherche, l'ennemi va vouloir plutôt troubler votre esprit pour que tous les enseignements que vous avez reçus disparaissent. C'est les enseignements qui peuvent être donnés dans des moyens. Qu'on vous donne comme ça. Parce que la mission est vraiment coincée. C'est ça. Vous comprenez? Oui. On peut prendre un mois à l'enseigner. Donc, demain, après la matinée de demain, le soir après, on fait un bon moment de prière, de purification, de revêtement des âmes. Parce que la Bible dit quoi? Dans Romains 10, 1 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisons de... Ouais. Nous renversons tout au cœur. Il y a des roteurs qui se tiennent dans les airs avant le troisième ciel qui vont nous empêcher d'aller monter au ciel pour prendre l'inspiration et descendre prêcher sur la terre. Ces roteurs sont les raisonnements de la chair, les œuvres de la chair. Nous allons les détruire de demain soir, une prière intense. Et quand nous allons finir cette étape, nous allons entrer maintenant dans une prière de revêtement du Saint-Esprit par la parole. Et nous allons entrer dans une autre dimension. Vous allez voir qu'après cette étape, si vous me prenez à cœur vraiment les enseignements, le Seigneur va faire les grandes choses ici. Je vous dis la vérité. Vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Parce que l'Esprit de Dieu, quand vous. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Mais dans la démonstration, vous verrez. Que la gloire soit rendue à Jésus. La gloire soit rendue à Jésus. Photographier. Déjà, effacer. On met révélation, mais révélation en même temps. On commence.
commence par le premier langage. Mettez Corinthiens 14, 6. Révélation, connaissance, prophétie, d'entre vous. Faites vite, faites vite. Parce que c'est ça, on a un défi de finir les quatre maintenant. On peut le faire? C'est possible? Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Le langage, parlez par révélation, deux points. Parlez par révélation, deux points. Parlez par révélation, deux points. Parlez par révélation. Parlez par révélation. Notez au fur et à mesure. Notez aussi au tableau. En même temps, en même temps. Pour qu'on avance. Parlez par révélation consiste à sonder les choses cachées. Parlez par révélation consiste à sonder les choses cachées dans le but de les découvrir. C'est ça le découvrir, le bras de l'Éternel. Sonder les choses cachées dans le but de les découvrir. Par la grâce du Saint-Esprit. J'ai dit que l'interprétation n'est pas. Et l'interprétation, c'est un ton. Mais les langages de la parole ne sont pas d'abord des tons, non. Parler, le langage de la révélation n'est pas un ton. Le langage. Est-ce que vous comprenez? On a dit ça aujourd'hui, non. Le langage de la prophétie n'est pas un ton. Ces langages ne sont pas les dons, mais c'est l'interprétation qui est le don. C'est le parler par ce langage qui est le don. Il y a les dons spirituels qui sont différents des langages de la parole. La parole de Dieu est Dieu. Mais ce n'est pas d'abord un don spirituel à part entière. Parce que celui qui. Parce que la révélation, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? La connaissance, c'est la parole de Dieu. La doctrine, c'est la parole de Dieu. Et la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas d'abord des dons spirituels. Qu'on donne à quelqu'un. Non. Il faut les identifier lorsque Dieu parle. Quand Dieu parle, nous identifions. Quand nous lisons la Bible, nous voyons le langage utilisé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que la parole de Dieu, avant, la parole de Dieu n'est pas, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. C'est l'inspiration de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Mais il y a aussi certains langages qui sont mentionnés aussi, c'est-à-dire dont leur nom était mentionné dans les dons spirituels. Comme quoi? La prophétie, comme les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. L'interprétation des langues aussi est un don. Ainsi, nous interprétons la parole de Dieu, qui est l'expression de la pensée de Dieu. Qui est la langue de Dieu. Donc ici là, nous on considère ces langages comme la langue de Dieu et non d'abord comme des dons spirituels. Les dons spirituels se manifestent, mais les langages s'interprètent par l'esprit. C'est bon? Acclame Jésus. Parler par révélation consiste à sonder les choses cachées dans le but de les découvrir par la grâce du Saint-Esprit. Point. Point. Parlez par révélation. C'est aussi l'art spirituel. Ça, c'est l'interprétation.
parler par révélation, c'est aussi l'art spirituel par lequel c'est un art, oui, oui. Par lequel l'on situe des choses anciennes qui étaient des ombres. Dans la réalité du temps présent. C'est bon? Point. Dans la réalité du temps présent. Ou sonder une chose présente, mais dans l'ombre ou dans le passé. Sonder une chose, ou bien non, laisser une chose. Sonder ce qui est du présent dans l'ombre ou dans le passé. Afin de révéler, ou bien non, afin d'élucider le mystère caché. Donc, soyez. Où sont les ce qui est du présent? Dans l'ombre ou le passé? Dans l'ombre ou le passé? Donc, parler par révélation, c'est aussi élucider au sens réel. Les choses qui étaient abstraites. Au sens réel, les choses qui étaient abstraites. Les choses qui étaient abstraites. Pour qu'elles soient concrètes. En donnant une signification réelle. C'est bon? Vous comprenez déjà? Hein? Ok. Le langage de l'interprétation par révélation. L'interprétation par révélation dévoile le sens spirituel. Le sens spirituel. Des choses physiques imagées qui sont du sens, qui ont un sens figuré. Lisez-lui, quelqu'un pour lui faire. L'interprétation par révélation. L'interprétation par révélation dévoile le sens spirituel des choses physiques. Nous n'avons pas du temps. Dévoile le sens. Dévoile le sens spirituel des choses physiques imagées qui ont un sens figuré. Voilà, point. Quand on dit figuré, vous comprenez déjà. C'est les figures de style. Dans la Bible, elle est remplie de figures de style. Donc, parler par révélation, c'est de sortir, c'est-à-dire, c'est dans un contexte. On parle dans le contexte. Mais, au lieu de parler toujours, de prendre la figure de style écrite et encore dit là, on explique, on révèle cela. Et lorsqu'on révèle là, parfois même la chose n'est pas une figure de style, c'est normal. Mais on quitte le sens spirituel pour aller au sens figuré. C'est aussi par révélation. Vous comprenez? C'est les deux choses. C'est pourquoi j'ai dit du présent au passé. Du passé au présent, du futur
du présent au passé. Ça, c'est le passé. L'homme ici, c'est le passé. L'homme était des hommes, en parenthèse, pensé et passé. Voilà. Le passé, d'abord, on mettait des hommes, en parenthèse, passé. Gloire à Jésus. Donc, parler par révélation, c'est quoi? J'ai dit que on révèle le sens spirituel des choses qui étaient dans l'ombre, des choses qui sont physiques, imagées, ou bien. Mais aussi, parler par révélation, je vous dis encore, révéler le sens physique des choses spirituelles. Juste pour permettre de comprendre les choses. Sinon, le but là, c'est que l'esprit soit révélé. Donc, celui qui explique, en réalité, celui qui dit que, celui qui prend la chose spirituelle pour révéler le temps physique là, il ne donne pas une nouvelle révélation. La révélation, il y a donné. Mais il va chercher le symbole de cette révélation pour montrer que, en réalité, cette révélation là, c'est ce symbole. Voici ce que symbolise cette révélation. C'est compris? C'est pourquoi je dis qu'on quitte le passé pour le présent. On quitte le présent qu'on a dans le passé. Pas quand on quitte le présent pour aller dans le passé, ce n'est pas pour donner une nouvelle révélation. La révélation, il y a dans le présent. Mais on entre, on retourne dans le passé pour juste vous montrer que voilà la source par laquelle la révélation a été tirée. Acclame Jésus. C'est pourquoi, dans le domaine de la révélation, vous allez voir plein de figures de style. Notez, comme métaphore, allégorie, personnification. Je suis devenu professeur de français. Acclame Jésus. C'est les choses qui vont remplacer les scientifiques. Vous voyez, la parole est émaillée de figures de style. La Bible, l'inspiration est émaillée. Quand une inspiration vient là, elle est émaillée de figures de style. Elle est émaillée de figures de style. C'est à nous d'utiliser le langage de la révélation pour l'interpréter. L'inspiration, c'est la parole de Dieu. Mais elle est émaillée de figures de style. Vous avez compris? Oui. Métaphore, allégorie, personnification. Il y a plusieurs. Il peut voir l'anaphore. Voilà tout. Les sons, ça c'est comme les poésies, comme les poèmes. Les paroles aussi. Donc il y a plusieurs figures aussi dans la Bible. Il y a des textes narratifs aussi dans la Bible, comme les types de phrases, les textes descriptifs dans la Bible, les textes explicatifs dans la Bible, les textes argumentatifs dans la Bible. Tout est dans la Bible. Vous voyez qu'il faut être intelligent. Il faut être intellectuel. L'esprit est là, mais il faut connaître. Et l'esprit utilise ce que tu connais pour travailler. Si tu ne connais pas ces choses, il va utiliser le peu que tu connais. Et à certains domaines, là, tu seras limité. L'esprit va travailler. Tu te rends faible. Or, les gens vont dire que non. Tu vas dire que non, c'est parce que. Non. C'est parce que toi, mais tu t'es négligé. C'est pourquoi l'école, Dieu, la science, cette science, c'est-à-dire les choses que nous avons apprises à l'école nous ont aidés aussi. C'est pourquoi même vous allez voir que. En tout cas, je continue. Après, on va parler de ça. Gloire à Jésus! C'est bien maintenant. Voilà, je vais encore expliquer. Parlez par révélation. Donc, l'on ne peut parler de Dieu sans parler par révélation. D'abord, nous savons que la Bible, c'est une révélation cachée. La parole de Dieu, plutôt, dans la Bible, est une révélation cachée. Oui. Mais parler par révélation dont on parle ici là, ce n'est pas ce qui est écrit littéralement qu'on dit. Mais on explique ce qui est écrit littéralement. Ce qui est symbolisé là, on va ôter le symbole et donner la vérité. On va enlever le voile pour montrer la clarté.
On va lever les ténèbres pour révéler la lumière. C'est pourquoi l'Écriture dit que la parole est une lumière. Gloire à Jésus. Donc, je vous dis souvent qu'il y a une différence entre interprétation de manière générale et le langage de la révélation. Ou soit, la révélation de la parole de Dieu est différente du langage de la révélation. Le langage de la révélation est dans la révélation de la parole de Dieu. Vous n'avez pas encore compris. Quand la Bible dit la révélation était parole éclaire et dans l'intelligence du simple, on parle de quatre langages. C'est ça qu'on appelle l'interprétation. Notez, révélation de la parole de Dieu. Vous faites comme ça. Vous mettez les quatre langages. Mettez révélation de la parole de Dieu ici. Attendez. Vous mettez révélation de la parole de Dieu ici. Et vous faites comme ça. Comme ça. Comme ça, vous mettez les quatre langages. Français d'abord. Vous mettez les quatre langages. Cette révélation de la parole de Dieu, c'est l'interprétation de la parole de Dieu qui permet de comprendre la parole de Dieu en quatre langages. Est-ce que vous comprenez? Parler par connaissance, c'est aussi une révélation de la parole de Dieu. Parler par doctrine, c'est aussi une révélation de la parole de Dieu. Parler par prophétie, c'est aussi une révélation de la parole de Dieu. Parler par prophétie, non. Doctrine, les quatre langages là, tous, chacun est une révélation de la parole de Dieu. Seulement qu'il y a un langage spécialement appelé le langage de la révélation, qui est différent des autres langages. Quand même, c'est aussi une révélation de la parole de Dieu. Donc, interprétation, c'est révélation de la parole de Dieu. C'est clair? Donc, ça fait deux révélations. Donc, quand on dit la révélation de la parole, vous ne voyez pas d'abord le langage de la révélation. Vous voyez les quatre langages. Mais sachez que parmi ces quatre langages, il y a un langage nommé révélation. Mais dans son explication, est distinct des autres. Parce que son explication, c'est que des choses abstraites, mystérieuses, sont dévoilés par l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui donne la révélation. C'est clair? Il y a deux types de révélation. La révélation globale. Notez, je vous explique. Vous-même, vous êtes en même temps en train de noter. Parce que je tiens de dire la chose. Vous devez être à mesure, quand je parle, de noter au fur et à mesure que moi. Aussi. Autant qu'il écrit, autant il suit. Donc quand il suit là, il écrit en même temps. Acclame Jésus. Nous sommes à l'école. Non. Nous écoutons. Voilà. Vous mettez lumière. Interprétation. Je n'ai pas une très bonne écriture. Hein? C'est comme les docteurs, les médecins. Révélation. Voilà. Connaissance, prophétie, docteur. Et vous mettez. Voilà, c'est bon. Vous mettez ici Saint-Esprit. Voilà. Vous comprenez déjà? Quand vous effacez vos lumières, interprétation, révélation, connaissance, prophétie d'autres. En fait, ça vit pendant que j'explique pour qu'on acclame une autre sur le point en même temps. Toute révélation de la parole de Dieu n'est pas le langage de la révélation. Mais le langage de la révélation est d'office la révélation de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est les choses qui vont vous aider, je vous dis la vérité. Tôt ou tard, elles vont vous aider. Moi, depuis que le Seigneur m'a enseigné ça, honnêtement, je suis à l'aise quand je prêche la parole. Je sais que je ne prêche pas en l'air. Quand je tombe sur la connaissance, je sais que ça ici, je ne parle pas connaissance. Quand je ne parle pas révélation, je sais que je ne parle pas révélation. Et là, ça me donne la méthodologie. Et je ne suis pas désordonné. Je sais quand je maîtrise ce que je fais. Et c'est l'Esprit qui m'enseigne. C'est pourquoi nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. C'est bon? Voilà.
Donc ça c'est global. Donc mettez un rouge ici. Vous marquez qu'il y a différence. Ou astérisque. Astérisque c'est mieux. Ça c'est astérisque. Et vous devez écrire aussi ça. C'est déjà écrit. Qu'il y a différence. Ça dit que la révélation de la parole de Dieu, c'est l'interprétation de la parole qui donne la lumière. Ça, c'est en général. Et indifférence. Vous devez écouter en même temps lui répéter. La révélation de la parole de Dieu est l'interprétation de la parole qui donne la lumière. C'est ça, la révélation globale des Écritures. Dans quatre dimensions, dans quatre langages. Je vais plus répéter. C'est bon? Mais la révélation, le langage de la révélation est un des. C'est ça, non? La révélation. Non. Le langage de la révélation est l'une des manières d'interpréter la parole. Parmi les quatre langages. C'est bon? Notez. Donc ça montre que toute révélation de la parole de Dieu, ou bien, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu, se fait par tous les langages. C'est ça l'interprétation par tous les langages. Mais le langage de la révélation n'est pas d'office celui de la connaissance de la prophétie, etc. Mais c'est aussi une révélation de la parole de Dieu, mais différente. Est inclus dans les quatre langages. C'est clair? C'est clair. Ok. Ils vont résumer. Et voir si c'est correct. On continue. Donc, je continue. Parlez pas révélation est style. Notez. Parlez pas révélation est un style. Parlez pas révélation est un style. Parlez pas révélation. Est un style. Parler par révélation est un style. Une façon particulière d'aborder les Écritures. Cherchez le verset, la révélation de tes paroles est claire, c'est dans Somme. Et dans l'intelligence au simple, mettez ça, quand vous trouvez ça, vous mettez ça ici. Et ici, vous mettez 1 Corinthiens 14, 5. Pour qu'on fasse la différence, vous comprenez? En bleu. Caméraman, affichez bien le tableau pour permettre à ceux qui nous suivent de noter. C'est bon? C'est bon. Voilà. Parlez pas révélation, s'agit de dévoiler le voile, de mettre à jour le non-vu. Ce qui n'est pas bien vu, on le met à jour, on le dévoile. Ce qui est passé là, on le met à jour dans le présent, c'est lié à ça. Parler par révélation, il s'agit de dévoiler le voile, de mettre à jour le non-vu. C'est clair? Dans la révélation, dans le langage de la révélation, là c'est l'œil.
c'est l'œil qui est utilisé. C'est clair? L'œil de l'esprit, ce n'est pas l'œil physique. Hein. C'est l'œil de l'esprit. L'esprit doit sentir, tes yeux doivent sentir, tes yeux spirituels doivent sentir la révélation. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu va dire à l'église, Jésus va, l'esprit va dire à l'église de Laodicée, achète du colis pour moindre tes yeux. Le colis doit moindre les yeux pour purifier les yeux. Parce que c'est les yeux qui doivent voir. C'est les yeux qui doivent avoir la révélation. Continuez de noter, écoutez. Donc, le langage de la révélation, dans le langage de la révélation, c'est l'œil qui voit. C'est bon? Hein? Ce langage fait entendre la voix cachée derrière l'écriture. Dieu vous a dit que la voix, c'est la lumière. Donc, l'œil voit quoi? La lumière. En réalité, l'œil qui voit ne voit pas en réalité comme ça. Il entend dans son esprit une voix qui lui donne une pensée. En réalité, ce qu'il ne voit pas dans la lumière qu'il voit n'est pas une lumière, mais c'est une voix qui est la lumière. Donc, quand il voit là, c'est qu'il entend. Donc, dans le spirituel, la lumière a une voix. Et la voix, c'est la lumière. C'est clair? Depuis dimanche, on vous dit ça. C'est bon? La révélation nous amène à contempler la sagesse spirituelle et supérieure. Vous voyez que Dieu veut nous conduire à une autre dimension. Vous ne vous voyez pas, ne voyez pas ça? Dieu a de nous amener à une autre dimension. Parler par révélation est de faire quoi? Contempler la sagesse spirituelle supérieure. C'est hautement spirituel. Celui qui parle par révélation est dans le spirituel. C'est dans le spirituel qu'il reçoit les choses. C'est pourquoi nous devons être spirituels. Parce que Dieu va nous donner des révélations sur la parole de Dieu pour que nous puissions grandir dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi on dit, nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Donc ça veut dire que c'est spirituel. Hein? Tu dois être un homme spirituel pour parler par révélation. Sinon, si tu n'es pas dans le spirituel, tu es disqualifié. Tu entendras les choses, tu diras que c'est la chair. La séba va sonner, mais tu diras que le son est confus. La flûte va résonner, tu diras que c'est confus. La cloche retentira, c'est confus. Pour toi et pour les autres. Ce n'est pas parce que toi tu ne comprends pas un enseignement que tout le monde ne peut pas comprendre. Certains ont compris, certains comprennent. Mais toi, travaille à ton intelligence. Demande à l'esprit d'ouvrir ton intelligence. De te conduire dans ta dimension spirituelle. Et là, tu comprendras la parole. Prie pour ça. Et tu auras la révélation de la parole. C'est clair? Gloire à Jésus. En réalité, la révélation, c'est les choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a pas entendu. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Mais que Dieu a décidé de donner à ceux qui l'aiment. C'est ceux qui l'aiment. On parle encore de l'amour. Si tu aimes Dieu là, tu auras la révélation. Tu vas payer le prix pour la voix. Dans l'humilité. Parce qu'on parle de la sagesse supérieure de la parole. Hier, on a expliqué quoi? Dans la révélation, Pierre, Jacques, Jean sont les trois colons. Comment on peut se dire que des hommes sont des colons? On sait que ces colons sont debout. Donc, la révélation, c'est un langage spirituel. Parce qu'on ne peut pas admettre que des colons soient révélés comme des hommes. Ou bien, cela veut dire que les trois là ont opéré dans ces trois colons. C'est eux qui sont ces colons de la révélation. Hier, on a parlé des saints pères, deux poissons. Les saints pères, les saints ministères d'autorité, mais qui sont les ministères de la parole. Les deux poissons, deux alliances. L'ancienne alliance qui engloutissait dans le séjour des morts et condamnait les hommes. Le ministère de la lèvre qui tue. Le deuxième poisson, la nouvelle alliance, par lequel un prix est sorti du ventre du poisson. Or, et de la bouche du poisson. Or là-bas, l'homme a été
Il y a un prix qui a été payé pour que l'homme soit avalé dans le ventre du poisson. Quand il dit ça, je parle de Jésus. Oui, oui. Qui est allé au Seigneur des morts par un prix payé à la sur la terre. Oui. Est-ce que vous avez compris, hein? Oui, oui. Donc, le deuxième poisson, c'est le poisson qui est sorti de l'eau. Ce poisson n'est pas dans l'eau. D'abord. Mais c'est un poisson qui est sorti. Or, c'est que l'eau a vomi Jésus. Qui est ton Jonas est le type. C'est clair? Oui, oui. Et les deux poissons, c'est la Seine Alliance. La Nouvelle Alliance. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a un pain qu'on appelle le pain d'orge. Dans l'histoire des deux juges, c'est aussi la parole. C'est ça, après nous allons parler de ça. Ou bien, vous allez chercher à comprendre ça. C'est des exemples. Donc, hier, on a parlé, on a eu beaucoup de révélations. Donc, je continue. C'est dans les révélations que vous allez entendre des choses comme ça. L'église, on peut dire que Jésus dit, marchez comme, soyez comme des serpents. Simple comme des colombes et putain comme des serpents. On a tenu de nous comparer, c'est une figure, de style. On a de nous comparer aux animaux. Or que d'abord naturellement parlant nous ne sommes pas. Mais spirituellement, c'est la portée des choses. Alors que la révélation, c'est quoi? La portée des choses qu'on doit être dans le spirituel. Je vais prendre des choses naturelles comme une portée dans le contexte dans lequel nous devons parler. Nous sommes en train de parler. Pour qu'on puisse connaître le niveau même. C'est-à-dire le niveau que Dieu veut donner, ou bien le style que Dieu veut donner à la révélation. Il n'y a pas de révélation sans contexte. Il y a un contexte donné. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Quelque chose peut avoir différentes interprétations. Par exemple, il y a une révélation. Quelque part, on sait que l'eau, le soleil, c'est la lumière. Oui, oui. Jésus est le soleil levant, le soleil de justice. Oui, ça c'est la révélation. Mais dans un autre langage, on ne dit plus qu'il est le soleil. Mais on dira que le soleil là, c'est le péché qui poursuit l'hypocrite et l'hypocrite ira se réfugier dans l'eau. Alors, c'est là où il parle de chaque langage a quatre manières comme ça d'interprétation. Ou soit ça peut avoir mille, mais on réduit ça à 4, 4, 4 pour éviter des débordements. Mais ça arrive, ça peut avoir 10 ou 8 ou 20 ou ça dépend de l'est. Vous comprenez déjà? Oui. Donc la même chose, c'est pourquoi on ne peut pas voir une révélation comme d'autres. Mais c'est une connaissance, une lumière qui nous apporte la compréhension de la doctrine. Pour expliquer la doctrine, moi j'utilise beaucoup la révélation. Parfois j'utilise la doctrine pour enseigner la doctrine. Mais dans certains cas, j'ai besoin de la révélation pour que les gens comprennent la doctrine. Parce que je me dis, si je prêche ma doctrine tout court, les gens ne vont pas totalement comprendre. Je vais entrer dans la révélation. Là, il prend des choses, mais pour qu'ils comprennent dans le spirituel ce que la doctrine a dit. C'est vrai, quand quelqu'un prêche, peut-être la sanctification par la doctrine. La sanctification par la doctrine va dire quoi? Abondance. Comme ça, tu persévères, consacre-toi. Et maintiens ton salut, tu es déjà sauvé, tu es déjà saint. Mais sanctifie-toi davantage. C'est bien, très bien. Mais dans la révélation, on ne te dira pas comme ça. Que la révélation te dira, la lame sainteté à l'éternel bleu là. C'est ça la sanctification. C'est ça le signe de la sainteté. On te dira, il suffit de porter ça dans ta tête et tu seras saint. Où est la parole? Dans la révélation, on te dira que la robe blanche veut dire la sainteté. On dit que tes vêtements soient blancs et que l'une manque point sur ça, sur ta tête. Dans la révélation, on te dira que porte ce vêtement blanc. Car le vêtement blanc est la sainteté. On le dit, apporte aussi le vêtement du fin lin. Car le fin lin, c'est l'œuvre des justes et saints. Et toi, tu comprends déjà ça, que c'est la sainteté aussi. Vous voyez, il y a une différence entre doctrine et révélation. Bon, une question. Bon, maintenant, je comprends bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que nos rêves, on peut mettre nos rêves dans quoi?
Ah, tu dois parler, c'est un autre enseignement différent. Notez les choses. C'est une... oh, si, on va prier dans le deuxième, la deuxième semaine spirituelle. Après les 16 jours qui viennent là, la deuxième semaine spirituelle, on parlera des songes, rêves, tout. Ça, c'est une semaine des choses spirituelles seulement. On va parler des songes, rêves, tout. Vision, tout. On va parler des esprits, différents types d'esprits de Dieu. Et parler contre le royaume des ténèbres. Donc, c'est des choses qui viennent. Donc, tout va être dit avant notre départ. Acclame le Seigneur Jésus. C'est clair maintenant? C'est clair. Donc, voilà comment on parle par révélation. Donc, c'est ça, les gens qui sont chalés ne peuvent pas comprendre. La doctrine aussi, ils ne peuvent pas comprendre. Mais d'autres comprennent facilement la doctrine. Pourquoi? Parce que l'appui direct de la doctrine, c'est d'abord la lettre, le scripturaire. C'est bien, c'est une révélation. Parce que c'est une révélation de la parole aussi. Mais ce n'est pas le langage de la révélation. Spécialement. Donc, gloire au Seigneur Jésus. Donc, on continue. La révélation nous amène à contempler la sagesse spirituelle supérieure. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues. 1 Corinthiens 2, 9. Que tu as, Dieu, qu'ils sont montés au cœur de l'homme, que Dieu a donné à ceux qui l'aiment, destiné à ceux qui l'aiment. C'est grâce à la révélation que nous faisons entendre au peuple l'évangile éternel ou la pensée de l'éternité. Gloire à Jésus. C'est grâce à la révélation que nous dévoilons la pensée de l'éternité. C'est ça, ou bien quoi? Nous faisons entendre, voilà, la pensée de l'éternité. Voilà, écoutez très bien. Parlez pas révélation. N'est pas synonyme de parler par imagination. On se lève comme ça, on dit ça, c'est la révélation. On prend n'importe quoi, ça, c'est pas ça. C'est où il fait des dégâts. Et parler par la chair. La révélation doit avoir une base scripturaire. Même si elle n'est pas écrite comme ça, tout cru, littéralement là. Il y a un fondement doctrinal. Vous ne comprenez pas. La révélation doit avoir un fondement doctrinal. Parce que la révélation est claire la doctrine. Donc, tu ne peux pas donner une révélation qui n'est pas conforme à la doctrine. Quand on parle de scripture, on parle de la lettre qui tue. Non. Il y a beaucoup qui veulent voir forcément écrit littéralement, physiquement, la chose dans la Bible littéralement. Non. Quand tu reçois la révélation, le fondement peut être dans la Bible. Sans que la lettre soit littéralement comme ça. Mais la doctrine autour des versets qui sont dans la qui explique la doctrine. Mais le thème ou bien l'expression utilisée dans la révélation peut être différent. Est-ce que vous comprenez? Pourvu que ça ait un fondement doctrinal dans la saine doctrine. Gloire à Jésus. Donc la révélation peut tout actualiser en Jésus-Christ. La révélation actualise tout en Jésus. Ça a parlé, ça actualise tout en Jésus-Christ. Tout. On ne peut pas, c'est ça que je disais, il y a des millions de révélations. Donc on ne peut pas dire à la révélation là. Là où on est maintenant révélation, on ne peut plus parler par révélation, non. Parce qu'il y a des millions de révélations. Donc voilà la révélation. Que la gloire soit due à Jésus-Christ. Il a parlé par prophétie. Est-ce qu'on va, on peut pas continuer? Non, on peut pas continuer. On s'arrête pas la révélation. On peut pas continuer? Ou bien on va continuer? Non. On va s'arrêter. Et demain nous allons continuer. Voilà. Parce qu'on a toute la journée de demain. Mais demain là, on va prier. On
peut même sortir demain. On ne sait pas, on va se laisser conduire par les autres demain. On ne sait pas, on doit tout finir demain. Ouais. Tout finir demain. Est-ce que vous comprenez? Et faire la prière intense demain. Donc, demain matin, très tôt, on va finir les trois autres langages. Pardon? Jusqu'à minuit. Ah, je ne voulais pas dire, c'est ça que je voulais dire. Mais je veux que ça sorte de votre propre bouche. Et vous-même, vous l'avez dit. C'est lui qui est dit. Ah! Ah, donc, David dit quoi? David, qu'est-ce que David dit? Mille jours. Dans ta présence vaut mieux que 10 000 ailleurs. Une fois, une journée dans ta présence vaut mieux que 10 000 ailleurs. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ira à minuit. Hein. Non, mais on sera, nous laissons conduire par l'esprit. Si l'esprit nous envoie à minuit, on ira à minuit. Si l'esprit nous envoie à 21 h, on ira à 21 h. Ça dépend de l'esprit. Donc, vous avez bien compris. Alléluia, acclame Jésus. Donc, on va vraiment photographier, ça c'est la révélation. Ça c'est le parler par révélation. Demain, nous allons parler des trois autres. Technicien, photographie. C'est bien, non? Ok. Que la gloire soit due à Jésus. Donc, demain, on va parler des trois autres. Et après, les trois autres, on va parler des 6 ministères. Et après le séminaire, on va entrer dans la prière. Et notre séminaire prend fin. Qui a gagné quelque chose depuis le début? Caméraman, montrez. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Qui a gagné? Non, qui a d'abord gagné quelque chose de nouveau? Ah, l'apôtre, vous n'avez pas gagné? Ah, il n'est pas ici. Il est concentré. Donc, gloire à Jésus, acclamez Jésus. Nous avons tous gagné. Moi-même, j'ai gagné. Moi-même, j'ai gagné assez. Chacun a gagné une nouvelle connaissance. Et ça nous permet d'entrer vraiment, vraiment dans une autre dimension, dans notre appel, dans notre marche avec Jésus-Christ. Donc que la gloire soit due à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir équipés ce soir pour entamer cette partie, cette dimension de l'enseignement de la parole. Remplis-nous, Seigneur, encore de ton feu, de ta présence, pour que nous puissions communiquer davantage ta parole. Que la chair soit toujours écrasée, détruite, et que l'esprit parle. Parce que la lecture met l'esprit vivifié. Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour ouvrir davantage l'intelligence de tes enfants, afin qu'ils comprennent régulièrement ta parole, pour entrer dans les profondeurs de ton intimité. Que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus.